Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Vos grosses têtes sont toujours avec vous jusqu'à 18h. Et en hommage à Uderzo, le créateur d'Astérix, laissez-moi vous présenter une grosse tête qui fut l'épouse d'Ash Canonix au cinéma et qui à la ville est l'épouse de Philosophix, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a incarné le barde Assurance Tourix au cinéma. Mais on préfère qu'il ne soit pas bâillonné quand il nous fait rire, Pierre Palmade. Une grosse tête qui peut vous imiter Lucinix, Arditix ou Claude Rix, Antoine Dulérix. Une grosse tête qui, comme Obélix, distribue des baffes à tout le monde, Jérémy Ferrarix. Bonjour. Une grosse tête qui a joué dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ, Valérie Mérès. Et une grosse tête qui connaît par cœur toute l'histoire de la Gaule, d'Astérix à Rocco Siffredix, partout à Tix, Franck Ferrand. C'est vrai que vous avez joué dans Astérix, Ariel, mais quand oui, même. Mais d'ailleurs, on était dans le même avec Pierre. Oui, ouais. Voilà, moi j'en ai fait qu'un. Oui, moi aussi. T'es le premier. Ils t'ont pas repris? Ben non, parce j'étais que j'étais furax, c'est ce qu'ils m'ont jamais repris pour le barde. Valérie, elle a fait dans le premier, elle a fait Falbala, dans le dernier, elle a fait Bonne Mine. je suis plus. Je suis d'accord, c'est comme ça, c'est la vie. Non, c'était très très rigolo parce que nous, on était dans le village gaulois et donc il y avait tous les animaux et tout ça. C'était en studio, c'était hyper drôle et il y avait un gros cochon. Mais on peut pas savoir qui c'était. Ah, j'aurais bien aimé le voir. Non, mais c'est incroyable, avec au moins 27 ou 28 pies. Ah oui. Attends, c'était une grosse cochonne. Une grosse truie, voilà. Et puis, et c'est vrai qu'elle fascinait Gérard, qui restait 3-4 heures face à elle. Gérard Depardieu, qui restait 3-4 heures face à la truie. Hein. Mais est-ce qu'il l'a tétée? Oui. La truie qui aujourd'hui a l'épidémie, évidemment. Ah, la truie. La truie. Moi, j'étais ligoté et bâillonné à un arbre tout le film, donc franchement. Mais Pierre, est-ce que tu te souviens quand même, quand il y avait le grand banquet, que le seul qui mangeait le sanglier, vraiment, c'était Gérard Depardieu. Mais oui, je sais. Il le mangeait vraiment avec la couenne. Bah, oui, c'est pas bien de dénoncer les juifs. Grosse question à Ariel Dombal. Je savais que j'allais la revoir. Donc, vous n'avez plus de personnel de maison, Ariel. Et non, moi, je suis ce que nous a dit le gouvernement. Donc, vous faites la vaisselle. Oui. Voilà, parce que moi j'en étais restée à Ariel qui faisait pas trop la vaisselle. Ah mais maintenant c'est incroyable. Non mais c'est incroyable, mais c'est très 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 difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est la cuisine. Parce que bon, je suis allée chez Picard pour la première fois. J'ai ouvert les très... Ça a dû leur faire une surprise. J'ai ouvert les très très grandes portes des frigidaires. Ils vous ont laissé ressortir. À quoi vous croyez qu'ils auraient pu me mettre en momie dans un des frigos? Eh ben non, ça n'a pas eu lieu. Et alors, j'ai pris du pumpkin pie des pumpkins, voilà, c'est-à-dire la fameuse citrouille. Bien sûr. La citrouille qui se transforme en carrosse. Et alors, c'est extraordinairement difficile à cuire, parce que je me suis trouvée avec ce gros paquet qui colle tellement il est froid. Il est tellement froid avec des morceaux. Pareil quand c'est la canicule. Et donc après, c'est écrit 15 minutes feu doux. Mais j'ai mis 15 minutes feu doux. Oui, mais dans l'eau froide, tu l'as mis? Non, sans eau. J'ai mis... Oui, c'est ça, direct. À la cheminée, directement. Mais moi, je croyais que tu mangeais que des graines pour être comme ça. Mais non, mais donc citrouille, c'est très bon. Mais feu doux, c'est quoi le feu doux? Non, mais c'est vrai, le feu ne peut pas être doux. Moi, en tout cas, ça a brûlé tout le fond et le reste est resté congelé. Vous ne pouvez pas revenir tous les jours, ça nous fait... Non, mais j'ai ça nous fait du bien.
J'ai suivi vraiment ce qui était écrit sur le truc. Je comprends, je comprends. On dit la cuisine. La cuisine est un jeu d'enfant, c'est faux. Ils ont fait la cuisine pour les nuls. En tout cas, évidemment, comme chaque jour, nous avons consulté les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui se dit. Heureusement, on arrive quand même à rire malgré l'ambiance actuelle. Et c'est vrai qu'il y a des choses très drôles sur Internet. Par exemple, quelqu'un qui signe sous le titre « Les vilaines copines » et qui dit « Quand tout ça sera terminé, si vous pouviez continuer à rester à un ou deux mètres de moi, ce serait parfait. Merci parce que je n'aime pas les gens. » Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a écrit « L'iPhone 12, eh ben, il va sortir avant nous. » Vous en avez vu des drôles, Jérémy ? Ça, c'est bon. Ouais, j'ai vu une pensée particulière à tous les hommes qui ont dit à leur femme « Je vais le faire quand j'aurai le temps. » Courage, les gars. Monsieur Duléry. Ce soir, à 17h, rendons hommage au boulanger. Sortez toutes vos miches à la fenêtre. Monsieur Je serai là. Ferrand. On en reçoit plein et elles sont souvent drôles. Confinement, marié à une nymphomane, il réclame son droit de retrait. Ariel. Règle à respecter pour un bon confinement avec votre femme. Elle a raison, elle a toujours raison, elle a encore raison. Valérie Mérès. Alors, je l'aime beaucoup. En raison de la rupture de stock des thermomètres dans les pharmacies, le ministère de la Santé vous conseille la méthode suivante afin de mesurer votre température corporelle et savoir si vous avez de la fièvre. Placez 2 à 3 grains de maïs sec dans l'anus. S'il sort des pop-corn, appelez tout de suite les urgences. Ah non, on lit de ces trucs. Pierre Palmade, vous en avez trouvé? C'est plus light, moi. Je reste à la maison parce que c'est pas tous les jours qu'on peut sauver la planète en pyjama. Ah mais oui, mais c'est vrai. Il y a Maxime Conconfiné, signe comme ça sur Twitter, qui dit « On ne dit pas chloroquine, on dit pas au chlore. » Ah mais alors, j'ai mis du temps à la comprendre. Ben oui, ça dépend des régions, c'est pour pain au chocolat et chocolatine. Voyez-vous. Il y a celle de la femme qui dit à son mari « Ce soir, nous allons faire l'amour, mais façon carte bleue. » Ah bon, c'est quoi? Sans contact. Ah, il y a celle-ci aussi qui est pas mal, mais alors j'ose à peine vous la raconter. C'est une vieille histoire, parce qu'en fait, évidemment, on se raconte des vieilles histoires, mais on les adapte à ce qui se passe aujourd'hui. Ah oui. Tant pis, j'y vais quand même. On les revisite. Éloignez les âmes les plus sensibles, parce que ça n'est pas très gai tout de même. Enfin, ça commence bien. La nuit dernière, dit quelqu'un sur Internet, j'ai entendu ma voisine qui était en train de faire l'amour pendant des heures. Elle gémissait, elle hurlait, se cognait la tête contre le mur. C'était insupportable tellement c'était chaud. Ce matin, j'ai appris que ce n'était pas la voisine qui faisait l'amour, mais en fait sa maman, sa mère très âgée, qui s'était cassée la hanche et qui tapait sur le mur avec sa canne pour demander de l'aide, et elle est morte ce matin. Du coup, j'ai un peu quand même regretté de m'être branlé pendant toute la nuit. Moi, j'ai pas osé sur Instagram, parce que tout le monde met des photos sur Instagram, des endroits déserts, vous savez, qui d'habitude sont plein de monde. Oui. Et moi, je voulais mettre un endroit qui est désert, qui d'habitude est plein de monde, je voulais mettre mon lit. Et mes amis m'ont dit non, tu vas avoir des mauvais commentaires. Il y a un dessinateur très drôle aussi qui s'appelle Xavier Gorce, que j'avais eu d'ailleurs la chance d'accueillir sur On n'est pas couché sur France 2 il y a quelques mois de cela. Vous savez, il fait des dessins où on voit toujours des petits pingouins sur la banquise, mais ils ont des pensées un peu comme le chat d'ailleurs de Philippe Gueluc, des pensées toujours très intéressantes. Et là, on voit ces deux pingouins. Il y en a un qui dit à l'autre : je prendrais bien un pseudo sur Twitter, mais je crains de pas être assez lâche. Non, dernier tweet, le ministère de la Santé a confirmé que les mariages étaient annulés. Cependant, pour ceux qui sont déjà mariés, c'est maintenu. Courage. Une première citation pour Jason Talibar, qui habite le Tremblay, qui a dit « La géométrie m'a appris que la tangente était une droite amoureuse d'une courbe. » Oh, c'est joli, ça. Oh, joli. C'est Courbet. Joli. Non, c'est pas Julien Courbet. Non, pas Julien Courbet. C'est contemporain. C'est un journaliste, écrivain français. Je crois qu'on va citer pour la première fois ici au Grosse Tête. Vivant. Vivant, oui, oui. Ce n'est pas un mathématicien. Non, la géométrie m'a appris que la tangente était une droite amoureuse d'une courbe. C'est un peintre.
compris. C'est un peintre. Ah non, 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 c'est un journaliste, écrivain, qui a d'ailleurs eu le prix Femina en 2007. Il est présent beaucoup à la télévision. Il a surtout écrit dans le journal Le Monde, qu'il a même dirigé. Éric Fotorino. Éric Fotorino. Ah, excellente réponse. Alors là, bravo. Ah, bravo. Oui, oui. De monsieur Duléry. Pourquoi il sait ça? Parce que je suis très cultivé. C'était mon prédécesseur autour de France. On ne s'est pas vu depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Ferrand? C'était mon prédécesseur autour de France, mon devancier. J'ai pris la suite d'Éric Fotorino. Vous allez faire le Tour de France, vous pensez, cet été? Cet été, là, on se pose de grandes questions. On n'en est pas sûr encore. Parce que c'est quand, théoriquement? Le Tour de France, c'est fin pendant juin l'été. Et jusqu'au-delà du 14 juillet. Souvent, c'est l'été. Oui. Fotorino, grand fan de cyclisme, qui a écrit des très beaux livres sur cyclisme. Magnifique. Ce qui est formidable avec Arielle Dombasle en période de confinement, c'est qu'elle découvre tout. D'un seul coup. Mais c'est en terre inconnue à Paris, quoi. Non, mais c'est vrai que je découvre énormément de choses et aussi. Picard, déjà, Picard, c'est quand même un truc formidable. Ben oui, oui, oui. Découvert Picard. Oui. Mais quand vous ouvrez la porte de Picard, c'est du moins combien? Moins 12. Moins 12. Ben oui. La prochaine découverte, c'est quoi? La confrontée la tendance. Et votre lit, vous faites votre lit maintenant? Alors, non. Il y a des limites. Il y a des limites, il y a des limites. Heureusement, heureusement, j'ai une gardienne adorable. Heureusement, heureusement. Vous faites venir la gardienne pour faire le lit. Elle vous appelle pour vous dire ce que vous avez à faire. Parce que ça, pas le lit. Mais quand même, déjà, la cuisine et les courses, ça me semble une chose hallucinante. Permettez-moi de vous dire une chose, Ariel. N'en faites pas trop. Non, mais je vous trouve fatiguée. Non, mais en plus, attendez, c'est que moi, je veux en plus que ce soit très... Je joue les geishas absolues, comme si tout était très facile et tout ça. Bien sûr. Oui, je ne culpabilise pas la personne qui vit avec moi. Tu ne lui demandes rien. Je fais comme si j'étais un super cordon bleu, comme si tout était facile, mais j'ai le cœur qui bat. Ça doit lui faire surprise quand il rentre se coucher qu'il y a la concierge qui est encore dans le lit. Après avoir bouffé une citrouille congelée. Une autre citation. Une citation pour René Scherrer, qui habite Lingolsheim, dans le Bas-Rhin, qui a dit « Mon gris pas à deux positions, trop tôt ou trop tard. » Et ben ça, c'est tellement juste. C'est un français très joli. Non, mais je viens d'en faire l'expérience. Chez Picard. Ariel, tu l'as dit. Non, mais c'est épouvantable parce que j'avais pas de pain. J'ai mis de la brioche, justement. Marie-Antoinette de retour. Et alors, ce soir, après la brioche, et la brioche, sortir votre miche. Hein. Non, sortez mais la brioche, ça brûle immédiatement. Même si vous mettez le toaster le plus bas possible. À feu doux. Oui, à feu doux, ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas réussi encore. En attendant, qui a dit, c'est pas Bernard-Henri Lévy, qui a dit mon grippin à deux positions, trop tôt ou trop tard. Un français? C'est contemporain, ce n'est pas français, c'est américain. C'est Woody Allen? Woody Allen, non. Non, c'est plus jeune, plus moderne. Jerry Seinfeld? Qui a dit Jerry Seinfeld? Ma gueule. Oh, ben, c'est encore vous. Oh, encore bah, une bonne réponse d'Antoine Duléry. Bravo, Antoine. Merci. Oui. La citation suivante sera plus compliquée. Elle est plutôt destinée, évidemment, à monsieur Franck Ferrand. Car, évidemment, on part dans l'histoire pour François Jabouille, qui habite Lyon, dans le Rhône, qui a dit. Mon mari m'a tellement trompée que je ne suis même pas sûre d'être la mère de mes enfants. C'est un français ? C'est une reine. Alors, c'est une célébrité du tout Paris qui est morte en 1944. C'était une chanteuse ? Donc, c'est un homme. Alors, non. Bah non, c'est une femme. C'est une femme, mais comment dire ? C'est une femme qui aimait les femmes. Voilà. Miss Tinguette. Alors non, pas Miss Tinguette. C'est une Française, Laurent. Une Française. Yann de Pougy, non, elle est... c'est la belle Otero. On la surnommait parfois Monsieur le Marquis, voyez-vous. Ah. C'était la belle époque, voilà, il faut le dire. C'est une chanteuse de cabaret. Non, elle était personnalité mondaine, oui, un peu artiste, extravagante. Mitzi. Comment vous dites? Mitzi. Mitzi, non, 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 non. Mitzi. Et elle venait d'une famille noble qui, j'imagine, a dû prendre ça un peu difficilement au départ quand elle se présentait. Avec... Ah, Gertrude Stein. Non, elle venait parfois avec Colette au Moulin Rouge. Oui. Alors, c'est vrai que parfois Colette l'appelait Missy. Missy, c'est pour ça. Vous avez raison, mais elle a un autre nom. Oui, mais alors j'oublie son nom. Un vrai nom. Est-ce qu'elle a écrit des livres, Laurent? Alors, est-ce qu'elle a écrit des livres? Non, donc elle a eu des enfants aussi de. Oui, de son mariage. Elle a mis à un moment donné, elle a pris un pseudonyme qui était en fait l'anagramme de Missy, qui était Issim. Voilà. Elle a été sculpteur. Issim. Elle s'appelait Mathilde.
C'est pas, non, c'est pas de la Renardière. Non, 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 non. Mathilde, son prénom. C'est la dernière fille d'un duc, duc de qui était le Morny. Frère de Mouchy, le frère utérin de Napoléon de III. Morny. De Morny. Morny. Mathilde de Morny. Bonne réponse. Bravo Ariel Dombasle. Mathilde de Morny, la duchesse de Morny, on l'appelait aussi. C'est elle qui a dit mon mari m'a tellement trompée que je ne suis même pas sûre d'être la mère de mes enfants. Avouez que c'est quand même plutôt ça aurait drôle. Pu être mis à Faro, hein, et Woody Allen. Ah oui, ça aurait pu, mais c'est pas, vous voyez, Ariel. Non, non, avec l'histoire des enfants, c'est très drôle. J'ai bien compris, Ariel. Pouvez-vous me dire, et ce sera une question pour David Canarozzo, qui habite Villeurbanne, qui était Hubert de la pâte feuilletée, puisqu'on est dans les familles nobles. Un cuisinier ? Non. D'un personnage de BD ? Bravo, un personnage de BD, oui, monsieur Ferrand. Et je peux même vous dire qu'il était dessiné par Uderzo. Ah, et oui. C'est un personnage d'Uderzo et Goscinny avant Astérix et Obélix. Ah, oulala. Oumpapa ? Oumpapa, c'était le meilleur ami de l'Indien Oumpapa. Ah. Bonne réponse de Franck Ferrand qui sait tout, oui, décidément. Bravo, bravo Franck. Parce que c'était Oumpapa, c'était l'histoire qui se passait en Amérique, c'est exactement, ça ? Exactement. Avec des Indiens. L'Indien Oumpapa, oui, et il avait un ami chevalier du roi qui était français, Hubert de la pâte feuilletée. J'ai une autre question, tiens, à propos d'Uderzo pour Benjamin Lemay, qui habite Paris 18e. On sait évidemment qu'après Oumpapa, donc, Goscinny et Uderzo ont créé tous les deux Astérix et Obélix. D'ailleurs, le personnage d'Obélix, c'est Uderzo lui-même, tout seul, qui l'a inventé. Alors qu'Astérix, on va dire, c'est plutôt Goscinny. L'un faisait le scénario, c'était Goscinny. L'autre faisait les dessins, de toute façon, c'était Uderzo. Mais à la mort de Goscinny, on le rappelle d'une façon un peu étonnante, hein, sur son tapis de course, hein, René Goscinny avait eu une crise cardiaque. Très jeune. Sur son tapis de course. Le dernier album donc, d'Astérix signé par les deux, Goscinny et Uderzo, c'était Astérix en Corse, le 20e album d'Astérix. Je vais donc vous demander, évidemment, quel est le titre du premier album d'Astérix, le 21e donc, signé uniquement Uderzo. Pardon, pas le encore. Le Grand Fossé. C'était chez les Belges. C'était pas encore, c'était chez les Belges, voilà, le dernier. Ça, chez les Belges. Et celui d'après, c'est et Le Grand Fossé. Il sait tout. Oh le Grand Fossé. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est Le Grand Fossé. Alors là, bravo. RTL. 6 grosses têtes, 5 fake news. Jérôme Finot est au téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Sans vouloir faire de jeu de mots, mais je vais y aller quand même. J'espère que vous allez vous montrer Finot, justement, Jérôme, depuis l'Isère, pour savoir qui parmi mes grosses têtes va vous dire la vérité. 5 vont vous mentir, c'est le principe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jérôme ? Peut-être en dehors du confinement, j'ai envie de dire. Je suis policier. Policier ! Ah, ça veut dire que vous travaillez en ce moment alors ? Oui. Et vous mettez des amendes à ceux qui sortent alors qu'ils n'ont pas le droit ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, mais là, aujourd'hui, vous êtes en repos, Jérôme. Oui, voilà, c'est ça. On va dire ça aussi. Hein. Ou entre deux arrestations. justement, vous allez pouvoir arrêter les grosses têtes qui vous disent des conneries et essayer de trouver qui vous dit vrai. Un canapé est en jeu, un canapé lit Topper. Il est équipé du système Rapido, simple, rapide, 13 cm de matelas, coffre de rangement. En tissu, l'espace Topper. C'est un grand espace de canapé à Paris, 12e et 15e arrondissement. Il y a deux boutiques dans la capitale, mais de toute façon, partout en France, on peut commander sur www.topper.fr. Mais c'est un canapé qui est dans le placard et puis, oups, il bondit. Oui, et avec ce bruit-là. Il sort du placard. Voilà. Non, mais... c'est un canapé D. Il sort du placard. Voilà. Non, mais il s'agit d'un canapé comme ça ? Non, oui, pas du pas tout. Un canapé ça s'appelle Rapido. C'est pas un canapé qu'on mange. Vous chez n'avez Picard. Pas pu connaître ça dans votre enfance, mais c'est comme un clic-clac. Vous voyez ce que c'est un clic-clac ? Non. Non, j'étais sûr. C'est un canapé où tu fais clic et clac. Et, clac, et ça s'ouvre. Ça se d'un ça, coup. Mais demandez à votre gardienne, je pense. Une fois qu'elle a fait votre lit, elle va ouvrir son clic-clac, voilà. Votre gardienne. Aïe, 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 aïe. Jérôme, à vous d'écouter mes grosses têtes. On commence par Pierre Palmade. Alors, Jeux Olympiques, c'est officiel, la nouvelle devise des Jeux est « plus vite, plus haut, plus fort ». Plus tard. Excellent. Antoine Duléry, c'est à vous.
Alors, une plainte des téléspectateurs au CSA. Les chaînes info n'ont toujours pas retrouvé le patient zéro, alors que des médecins zéro, on en a vu défiler plein. Jérémy Ferrari. Un homme a été hospitalisé d'urgence avec de la toux, de la fièvre et des courbatures. Finalement, ce n'était pas le coronavirus. Il avait juste attrapé froid en applaudissant à sa fenêtre tous les soirs à 20h. Ah, c'est vrai qu'il faut faire attention. Valérie Mérès. Alors, les époux Macron sont allés au théâtre hier soir. Aucun manifestant pour les filmer dans la salle, aucun comédien sur scène, même pas Jean-Marc Dumonté en coulisses. Bref, la soirée idéale. Laurent, on se demande pourquoi. Ariel Dombal. Oui, alors Jérôme, tout ça est subtil parce qu'il y a des vérités parmi, évidemment, ces phrases. Et donc, écoutez bien ce que je vous dis. Le temps du confinement, le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, s'appellera La République En Marche dans son appartement. C'est le nouveau nom du parti de la majorité. Franck Ferrand termine. Un couple d'Américains a avalé du produit servant à nettoyer les aquariums parce qu'il contenait du phosphate de chloroquine conseillé par Donald Trump. Alors, qui dit la vérité, Jérôme ? Alors j'hésite entre la numéro 3 et la dernière, mais il me semble bien avoir entendu aux informations qu'effectivement un couple américain s'était empoisonné en prenant ce type de produit. Donc je dirais bien que la dernière doit être la vraie proposition. Alors on va vérifier auprès de Franck Ferrand. Franck, bah, ça m'a l'air très juste comme... Effectivement, ils ont avalé du produit pour nettoyer les aquariums. Un couple de sexagénaires, ils sont cons, ils étaient cons, hein, parce que lui il est mort. Non, il est mort. Ah oui, elle est hospitalisée et lui, il est mort. Nous avons vu Trump à la télé. Il a dit que c'était sûr que c'était un remède. Alors, ils ont pris le nettoyant pour aquarium à base de chloroquine. En fait, c'est la sélection naturelle. C'est pas les gens du coronavirus qui vont mourir les premiers, c'est juste les cons. En fait. C'est les connarovirus. Ah oui, d'où ce terme. Jérôme, en tout cas, ça vous permet de gagner un canapé Topaire. Merci beaucoup. Les Jeux Olympiques, c'est vrai que ce sera plus tard, comme vous l'a dit Pierre Palmade, mais la nouvelle devise des Jeux n'est tout de même pas plus vite, plus haut, plus fort, plus tard. Quoique. C'est vrai qu'on a trouvé des médecins à zéro, mais pas de patients zéro pour l'instant, mais on espère. Vous êtes content d'avoir un canapé Topaire, en tout cas ? Merci beaucoup. Ah ben, oui, dites, vous êtes enthousiaste. Je sens que vous êtes content de votre canapé. Oui, je suis content. Un petit hommage en musique à Kenny Rogers. C'est ce chanteur, auteur, compositeur américain, spécialiste de country, qui nous a quittés lui aussi. Il est mort là le 20 mars. Alors, pas du coronavirus, lui, je crois. Hein, mais tout le monde ne meurt pas du coronavirus. Je tiens à vous rassurer. Mais c'était une des grandes vedettes de la country aux États-Unis, Kenny Rogers. Et c'est vrai qu'il y a une chanson, alors vraiment très très connu qui l'a popularisé. C'est pas une chanson habituelle dans son répertoire parce que c'est Lionel Richie qui lui avait écrit cette chanson pour justement qu'il quitte un peu la country. Et cette chanson, vous allez l'adorer, hommage à Kenny Rogers. Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever
Let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Mérès, Pierre Palmade, Jérémy Ferrari, Antoine Guléry et Franck Ferrand. Allez, je profite de la présence de Franck Ferrand pour poser cette question à l'attention de monsieur Tony Dupont qui lui espère un chèque RTL depuis Saint-Vendry en Seine-Maritime. Et la question concerne le fameux professeur Éric Raoult dont on peut lire des portraits un peu partout dans la presse aujourd'hui à la dernière page de Libération, par exemple, antiviral, anti-rivaux, titre Libération à propos du professeur Didier Raoult, cet infectiologue marseillais qui conseille la fameuse chloroquine. Hein, on saura plus tard si ça marche ou pas. Plutôt possible. Et on espère que ça marche. Mais il s'en prend un peu aussi dans le canard enchaîné. C'est dans le portrait d'Anne-Sophie Mercier, prise de bec, qui lui est consacré. Il s'en prend aussi, il faut le dire, Éric Raoult. C'est pour ça que ça lui attire quelques inimitiés à ses confrères. Par exemple, à Jean-François Delfrécy, qui dirige le fameux conseil scientifique. Ce conseil scientifique, évidemment, qui est censé aider nos politiques à prendre des décisions. C'est ce conseil, par exemple, qui leur avait conseillé de ne pas annuler les élections du premier tour. Bon, alors, lui, il dit, voilà, Jean-François Delfrécy, bah, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui est bien élevé, et c'est pour ça qu'il se trouve à cette place-là. Et il le compare, c'est assez terrible, il le compare à un personnage historique, il le compare à un général de l'armée, évidemment, de l'armée française, un général qui n'a pas eu, il faut le dire, grande gloire. Il a même été enterré, non pas dans l'intimité, mais on va dire sans les honneurs. Un général qui a commandé l'armée française pendant la drôle de guerre 39-40. Ah, Gamelin. Pardon. Gamelin. Maurice Gamelin. Oh, excellente bravo. Réponse de Franck Ferrand. Ah oui, ça, bravo. Le général Gamelin. Vous pouvez expliquer qui c'était? Alors, le général Gamelin était à la tête des armées françaises au moment de l'offensive allemande, le 10 mai 40, et il se trouvait dans son PC souterrain à Vincennes, qu'on peut encore visiter. Alors, ça se visite uniquement sur rendez-vous, mais c'est incroyable à voir. Vous avez toutes les salles d'où on dirigeait une armée dont on sait malheureusement le succès. Ça permet quand même juste un petit mot, ça. Ça permet de dire que l'armée française en 40, elle était atrocement mal dirigée, ça c'est vrai, mais elle s'est beaucoup, beaucoup battue. Je dis ça parce qu'on laisse toujours entendre dans l'histoire que tout le monde s'est carapaté devant les Allemands et qu'on n'a rien fait. C'est pas vrai. On s'est beaucoup battu et les batailles ont été affreusement meurtrières. Simplement, Gamelin avait au moins une guerre de retard, sinon deux.
Ouais, alors c'est vrai qu'il a une très mauvaise image, ce pauvre Gamelin. La preuve, hein, il le compare à Gamelin. C'est pas très gentil, non. D'ailleurs, ce que fait M. Raoult par rapport à M. Jean-François Delfraissy en disant « C'est le général Gamelin qui a été nommé très bien sur le papier, mais inadapté au terrain. » Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il a si mauvaise presse, Gamelin? Qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Des conneries, il a fait des conneries. Ah bon, voilà. Grosse connerie. Et il paraît d'ailleurs, d'après certains historiens, qu'il était malade, qu'il souffrait de syphilis et que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas forcément toute sa lucidité. Vous y croyez, monsieur? J'en sais rien. Ça, on peut toujours ah oui, il paraît que ça monte à la tête. Je pense que le conformisme... T'es malade de la queue, ça te monte au cerveau. C'est connu, hein. Parce qu'il y a plein de mecs qui croient que leur... Très bien, Valérie. Valérie, ce que tu dis n'a ni queue ni tête. Passons d'un général à un autre pour Jérémy Réjeanneau qui habite en Joutais dans le territoire de Belfort. Puisque là, je vais vous demander le nom d'un général qui, lui, est mort à la suite d'une épidémie de choléra le 1er juin 1830. Parce que la France, vous connaissez cette épidémie. Ce serait pas Bugeaud ? Bugeaud, non. Un général dont les obsèques furent prétexte à l'insurrection républicaine de 1832, réprimée par la troupe. Et d'ailleurs, c'est décrit dans Les Misérables de Victor Hugo. Ouais, ouais. Comment s'appelait ce général ? Gallieni. Non. J'adorais avoir les mauvaises réponses de Franck, moi. Si. Ça serait pas Bugeaud ? Je trouve ça génial, ces mauvaises réponses. C'est génial, hein. Alors, c'est pas Gallieni. Oui, c'est vrai que même les mauvaises réponses de Franck Ferrand sont... C'est vrai. C'est génial. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir de réponse du tout. C'est pas Thiers ? Non. Son prénom ou ses prénoms, c'était Jean-Maximilien. Est-ce qu'il a une avenue à Paris, Laurent ? Alors, écoutez, il a... Je ne sais pas s'il a une avenue... Mais en tout cas, il a un square, la moitié d'une station de métro. Ah, même si c'est pas lui, à mon avis, c'est un autre qui est homonyme. Comment la moitié? Oui. C'est le général Javel. Non. Le Courbe. Barbès. On va tous les faire. Hein. Non. Port d'Italie. Non. Est-ce qu'il avait des rouflaquettes? Alors écoutez, je vais vous... Cambacérès. Non, oui, il avait des rouflaquettes. Ouais, mais qui n'avait pas des rouflaquettes avec... Louis-Philippe. Non. Joe Dassin. Non, c'est un général de l'Empire qui finit sa carrière sous la monarchie de Juillet et il a participé à la campagne d'Algérie, j'imagine. Et je crois qu'on a en fait associé deux généraux, je ne sais pas, enfin, dans une station de métro bien célèbre. Quelle ligne ? Vous n'allez pas me faire croire que vous connaissez les lignes de métro. Non, c'est vrai que je dis ça au hasard. D'ailleurs, je ne sais même pas combien il y en a. Élysée. Ah, Clémenceau ? Oui. Clémenceau, non. Bienvenue. Mais bizarrement, ça ne s'écrit pas pareil. Alors, je ne crois pas que ce soit le même. Ça doit être un homonyme, mais ça peut vous aider. Vous voyez. Ah, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Non. Augustin. Non. Il aurait attrapé le choléra en accompagnant Louis-Philippe dans une visite de. J'ai lu ça très récemment. Il y a un général qui accompagne Louis-Philippe dans une visite d'hôpital. Qui a vu ça? Le roi lui dit, mais allez-y, mon général, entrez, etc. Ah non, alors là, vous confondez avec Casimir Perrier. Ah non, ça, c'est Casimir Perrier. Oui, entre historiens, on peut quand même se rectifier. Ah oui. Casimir, on aurait trouvé. J'ai posé la question hier, voilà pourquoi je m'en souviens. D'accord. Casimir Perrier avec Louis-Philippe. Oui, voilà, effectivement, ils se rendent dans un hôpital et l'autre lui dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà. Est-ce qu'il y a une station Casimir Perrier? Oui, mais ça n'est pas le sujet. Façon, ça n'est ni la question ni la réponse. Oh là là. Général. Non, mais Ariel n'avait pas tort en demandant la ligne de métro. Il reste 30 secondes. Je sens que Tony Dupont va gagner sa dose de chloroquine. Vous avez Tony le nom, mais ce n'est pas Tony Dupont, c'est Jérémy Réjeanneau, je crois. Ah, Jérémy. Bon, Levallois-Perret. Levallois-Perret, non. J'exerce mon droit de retrait. Il vous reste 10 secondes à peine. On retrouve ce soulèvement républicain. Général Choucard. On retrouve les funérailles de ce général dans Les Misérables de Victor Hugo et c'est Jean-Maximilien Lamarque. Lamarque Colincourt. Oui, mais alors curieusement, Lamarque. Non, mais le Lamarque Colincourt, c'est le scientifique, ça n'a rien à voir. Ah, on est d'accord, c'est avec un K, alors que ce Lamarque-là, c'est L-A-M-A-R-Q-U-E. Oui, et ben, celui-là, je ne regrette pas de ne pas avoir répondu parce que je ne le connaissais pas, moi non plus. Je vous ai demandé quand même une question qui me semble quand même pertinente. Combien de lignes de métro il y a? Puisque moi, je ne sais pas. Au moins, je sais qu'il y a ligne 1, ligne 2, mais il y en a combien? Au moins, il y en a plus. Le jeu, je peux vous dire qu'il y en a plus. Il y en a 14 lignes de métro. Exactement. Ah, d'accord. Ce sera le mot de la fin, on se retrouve dans un instant. Ah, d'accord.
une question pour Baptiste de Croque, qui habite Ronc, dans le Nord. On parle beaucoup d'anosmie dans la presse en ce moment. Et de quoi s'agit-il ? D'anosmie ? Anosmie. Anosmie. C'est le fait de ne plus ressentir les odeurs, non ? Excellent. Ah, le trouble de l'odorat. On dit qu'il y a une perte totale de l'odorat quand on souffre du coronavirus. Oui. Et ça s'appelle l'anosmie, le trouble de l'odorat. Encore une bonne réponse. Ça peut rendre service parfois. Bravo. Si on va manger chez Ariel, c'est chouette. Oui. Il a toujours les bonnes réponses, je ne peux plus le sentir. Coronavirus. L'anosmie de voisinage. Coronavirus. Qu'est-ce que pensent d'ailleurs vos camarades acteurs du coronavirus? Claude Brasseur, on a des nouvelles de Claude? Écoute, je ne sais pas, lui, il connaît bien les lignes, mais pas uniquement les lignes de métro. Il faudra lui demander comment il va, mon Claude. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Claude. Pierre Arditi, il est où, Pierre? On ne le voit plus en ce moment. Non, là, maintenant, il est cache-trait, on ne le voit plus. Hein, voilà, il passe sa vie à regarder le jour et la nuit de BHL. Alors là, le confinement est terrible. Voilà. J'en peux plus. Hein. Fabrice Luchini, lui, il lit des Fables de la Fontaine, Fabrice. C'est énorme. J'adore Fabrice Luchini. C'est le corbeau et le renard. J'ai le Ferrari à côté de moi qui essaie de doubler. Il n'a aucune bonne réponse. Et les animaux malades de la peste, les Fabrice. Les animaux malades de la peste. Il faut relire la peste. Tout le monde relit maintenant les trucs sur la peste, t'as vu? C'est surtout les animaux malades de la poste, parce que moi, je reçois plus de courrier. Mais c'est vrai, le courrier, qu'est-ce qu'il se passe? On n'a plus de courrier. Non, hein. Alors ça... Si, moi, j'ai reçu des amendes, moi, hier. Ça arrive. Ça marche. Tous les jours, je reçois des amendes de contravention de 40 ans que je reçois dans ma boîte aux lettres. C'est surréaliste. Votre concierge. Ma concierge, elle m'a jeté le courrier hier. C'est pas vrai. Il y avait le courrier comme ça, elle me l'a. On était faut comprendre, elle en a marre de faire le lit de Daniel Dombard. Alors. Ah oui, parce qu'il faut le dire aux auditeurs, on habite tous le même immeuble. Ah oui, maintenant. Ah oui. Ben oui, on suit les lois. On suit. Un mâle qui répand la terreur, mâle que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. C'est magnifique. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient touchés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le refuge d'une mourante vie. Les tourterelles se fuyaient, point d'amour, point de vie. Bravo. Une femme à fable. Ariel Dombal. Alors moi, pour faire comme Ariel, je vais juste citer la dernière phrase de La Peste d'Albert Camus. Il y a plus de choses à admirer qu'à mépriser chez l'homme, mais un jour, la peste réveillera ses rats et les enverra mourir dans une cité heureuse. C'est chouette, ça change les idées. Hein. Bien, ça fait plaisir. J'ai une question qui va vous changer les idées pour Sophie Viminot, qui habite Bois-Colombes. Quand vous souffrez de canicie, de quoi s'agit-il ? Canicie ? Canicule ? Non. C'est qu'on ne peut pas blairer les chiens ? Non. Ça se passe sur la tête ? En ce moment, les chiens ont une cote, au contraire. Énorme. Moi, je loue mon labrador, je le dis à tout le monde. C'est quand on perd ses cils ? Pardon ? C'est quand on perd ses cils ? Non. Ou ses sourcils ? Ça a un rapport avec les cheveux, quand même. Ça a un rapport avec les cheveux, oui. Ah, c'est quand ils poussent à l'intérieur ? Non. Canicie, c'est quand on arrache les cheveux de derrière pour les poser, les poster devant ? C'est quand on ne peut pas s'empêcher de se les arracher soi-même. Il paraît d'ailleurs qu'on a appelé parfois la canicie subite le syndrome de Marie-Antoinette. Ah, est-ce que c'est les cheveux c'est le fait d'avoir les cheveux blancs en une seule soirée. Ah oui, overnight. C'est se faire des cheveux blancs, avoir des cheveux blancs, des blancs cheveux. Bravo, encore une bonne réponse de France Ferrand. Grâce à Marie-Antoinette. Je demande qu'on réécoute la bande au ralenti, je crois avoir la première réponse. Oui, c'est possible. Pour une fois que j'en ai une. Manuela Josso habite la Possession, c'est à La Réunion. Et elle espère elle aussi un chèque RTL. Pouvez-vous me dire ce que l'on fabrique à Gien, dans le Loir et à Colmar? Enfin, pas tout à fait Colmar, tout près de Colmar, à Kunheim, dans le Haut-Rhin, et aussi à Thiel-sur-Huisne, dans l'Orne. De la porcelaine. Oui. De la porcelaine, non. De la faïence. De la faïence, non. De la chloroquine. Ce sont les trois villes françaises où on en fabrique, à Gien, dans le Loiret. Des masques. Des masques, non. Donc c'est pas à manger. Hein, ce n'est pas, on pourrait croire, mais non. Des gants à latex ? Non. Des matelas ? On se rapproche. On pourrait croire. Matelas. Ah, on est proche du latex. Des plumes pour les coussins. Non. Quelque chose d'utile ou décoratif ? Alors... T'es moins habitué de dire non que... ce n'est pas décoratif. De la météo ? C'est utile. Ça a un rapport avec le coronavirus, c'est pas un peu préservatif. Ça a un rapport depuis peu, oui.
Il y a des masques, mais qui ne sont pas des masques. Pas des masques. Et en tout cas, c'est pour... Ah, le fameux gel hydraulique. Non, et en tout cas, c'est pour nous rassurer que le Parisien est allé enquêter il y a quelques jours dans ces différentes villes où il y a des usines qui en fabriquent pour nous dire qu'il n'y aura pas de pénurie. De lits, des lits. De lits, non. Mais personne n'a peur qu'il y ait des pénuries de lits. Dans les hôpitaux. Ah, dans les hôpitaux. Ça, c'est des lits médicalisés. Mais la fameuse... Alors, des intubateurs. Pardon. Des intubateurs. Les intubateurs, non. Des respirateurs. Des respirateurs, non plus. Des tests, des tests. Des tests, non. Des humoristes. Ah non, le fameux petite chose en bois avec du coton pour les tests. Des coton-tiges. Des coton-tiges. Ah ouais. Non. Mais non, parce que les coton-tiges, c'est interdit maintenant. Ah, j'aimerais tellement vous voir, cher Ariel Dombal, faire votre stock de ce que l'on cherche du en papier toilette. Du papier toilette. Bonne réponse. De Jérémy Ferrari. Ah, voilà, bon, les Jérémy. Trois villes en France où on pour une fabrique... Fois, pour une fois qu'il ne fait pas une réponse de merde. C'est surtout que, ça, surtout que ça fait deux fois en deux semaines que je réponds papier toilette et que j'ai la bonne réponse. Ben oui, c'est votre spécialité. Et c'est vrai que Stéphanie Fraché est allée pour Le Parisien enquêter. On fabrique 5 millions de rouleaux de PQ par jour en ce moment. Il ne manquera pas. Il n'y aura pas de pénurie de papier toilette. Et alors, c'est assez drôle parce qu'il y a le responsable de la communication de Monsieur Marc Speck. Alors, je ne sais plus s'il travaille chez Lotus ou chez Moltonel, mais il dit dans Le Parisien, dans cette période de crise, nos collaborateurs viennent au travail parce qu'ils sont fiers de contribuer à l'effort national. C'est-à-dire que le PQ, si vraiment tu dois faire un effort, c'est qu'il y a un problème. Eh bien oui, avant c'était mon fils qui est médecin, mon fils qui est avocat, maintenant c'est mon fils qui fait du PQ. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là ? Jean-Philippe de Barros habite Laon dans l'Ain et il va chanter face aux grosses têtes et face à la France entière qui vous écoute. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans l'Ain, Jean-Philippe ? Je suis cuisinier. Cuisinier en collectivité, ouais. Ah, donc là, pour l'instant, vous êtes plutôt confiné, on va dire. Voilà, c'est ça, on est à la maison. Bah, vous faites la cuisine à la maison pour la famille. Vous êtes combien dans l'appartement ou dans la maison confiné ? Bah, moi et mon épouse, c'est pas mes mal. Enfants, donc ouais, Chloé et Jojo sont chacun dans leur appartement. Ah, donc bien. On est tous les deux, tranquilles. Bah, alors on embrasse Chloé et Jojo, alors. Voilà. Et votre épouse, elle s'appelle comment ? Valérie. Alors, ah, Valérie. Très joli nom. Et Jean-Philippe. Ouais, vous pourrez peut-être partir bientôt tous les deux, Jean-Philippe et Valérie, avec Sunissime et Locatour dans un magnifique mobilhome dans un camping 4 étoiles. Bien, c'est bien. Ah oui, c'est pas mal. Sunissime by Locatour vous offre un séjour en famille. C'est des campings, alors attention, 4 étoiles, sélectionnés avec soin autour de critères, club enfant, animation, espace aquatique. C'est l'essentiel des vacances. Authenticité, convivialité, bonheur d'être ensemble. N'oubliez pas votre papier toilette. Et peut-être vous croiserez pour la première fois Ariel Dombal qui va se mettre au camping. Ça, j'aimerais bien voir. Non, mais pour l'instant, ils sont fermés. Donc, si monsieur chante bien, il ne pourra pas aller au camping tout de suite. Oui, mais normalement, au mois de mai, tout le monde sera libéré. Super. Jean-Philippe, vous allez chanter. Vous chantez bien, Jean-Philippe ? Non, pas trop. Pas trop. Ah, avec un prénom comme ça, pourtant, vous devriez bien chanter cela. Jean-Philippe, j'aime beaucoup ce prénom. C'est une chanson... Je t'écoute, Jean-Philippe. Une chanson, j'en dis pas plus, c'est une chanson qui date d'il y a 20 ans. À vous, chère grosse tête, de retrouver l'interprète. Vous pourrez commencer à faire des petites suggestions de noms quand je vous fais signe. C'est parti. Au clair de la lune, mon ami Zongo, refuse de baïonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Un double appel. Une chanson politique, manifestement. Oui, oui. Ah, c'est un double appel. Ça fait partie de... Ça doit être Chloé ou Jojo qui cherche à vous joindre. Ou le chanteur pour se plaindre. Ça va, Jean-Philippe ? L'interprète de base. Allô, Jean-Philippe, Jean-Philippe, vous êtes là ? Vous êtes mort, Jean-Philippe ? Non. Allô ? On a perdu Jean-Philippe. Ah, il vient de recevoir les résultats des tests. Il ne nous rappellera plus. On a l'impression qu'on est à l'hôpital maintenant. Oui. Allô ? Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Philippe ? Bah, je ne sais pas, ouais, je vous ai perdu. C'était une chanson politique, vous avez été censuré en fait. Oui. Moi je crois que j'ai une oublié idée. Les paroles. Vous pouvez peut-être reprendre à la démocratie, moi qui ai le texte devant les yeux. Je crois qu'on vous a entendu jusqu'à que justice soit faite pour l'amour de Dieu.
Alors. Allez, c'est parti. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours je la meilleure. Je dirais Renault. Renault, ça non. Ça se passe non. comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière Hugo leur Frey. Hugo Frey, la non. La liberté et a laissé des plumes. Journaliste incarcéré. Henri Dess. Journaliste oh non, assassiné. Pas du tout. Oh non, c'est très politique. Isabelle Aubray. Isabelle Aubray, non. Ça doit changer. Francis Lalanne. La démocratie ça aurait du plus pu. Fort est toujours la meilleure. Anne c'est Sylvestre. Comme ça. Anne Sylvestre, non. La démocratie c'est un du homme. Plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie. Est-ce que c'est un chanteur de base ou un humoriste ou... Non, non, c'est un chanteur qui chante pas seulement en français d'ailleurs, il chante en plusieurs langues. Lavilliers. Et il se produit dans le monde entier. C'est un chanteur africain, Stéphane Escher. Vous avez dit c'est un chanteur africain. Un chanteur africain, oui. Manu Dibango. Manu Dibango, non. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est pas Yannick c'est Noah. Ça. Yannick Noah, non. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Africain. Ça se passe comme ça. Mokobé. Les gouvernants font la pluie. Mokobé, et le beau Mokobé temps. Non. Manu Katché. Youssou N'Dour, qui a dit Youssou N'Dour. C'est pas ça. Pas les volettes. Manu Katché. Le président, c'est un regrettable accident. Le même rituel sanglant. La bande à Basile. Ah, la bande à Basile. C'est vrai qu'ils ont fait des chansons politiques. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. J'ai trouvé. Manu Katché. Manu Katché. C'est vrai que je viens de le dire. Manu Katché, non. C'est la compagnie créole. La compagnie créole, non. Les négresses vertes. C'est fini. C'est fini, vous avez gagné. Ouais, super. C'était Alpha Blondie. Ah, Alpha Blondie. Ah, ouais, Alpha Blondie. Ah, bah oui, c'était pas facile. Là, vraiment, Jean-Philippe, vous avez trouvé la chanson qui pouvait piéger mes camarades. Juste un petit extrait d'Alpha Blondie pour vérifier quand même. C'est du reggae, Alpha Blondie. Hein. Pourquoi vous avez choisi cette chanson? Vous êtes fan d'Alpha Blondie, Jean-Philippe? Oui, voilà, je suis fan. Depuis quelque temps, je réécoute Alpha Blondie, puis j'ai pensé à ça, hein, cette chanson-là. Non, ouais. Vous étiez sûr qu'on n'allait pas trouver, et vous étiez sûr d'avoir l'argent, c'est ça? Exactement. Ah, il avait envie d'aller au camping, Jean-Philippe. Et le mobilhome. Ah, oui, le mobilhome. Vous êtes un salopard. Vous irez au mobilhome l'année vraiment, prochaine. Vraiment, hein, vous l'avez forcément fait exprès de chanter si mal. C'est bravo, en tout cas, Jean-Philippe, bravo. Et j'ai d'ailleurs une autre question musicale pour vous, chère grosse tête. J'aimerais vous faire écouter quelque chose qui s'appelle le Naboo Twist. Écoutez, et j'aimerais que vous me disiez qui a chanté le Naboo Twist. Écoute-moi, mon petit chéri. Si tu veux maigrir, il faut danser le Naboo Twist. Ah oui, ouais, c'est Claude François. Oui, c'est Claude François. Non, c'est... Vous savez, je pensais que j'allais être le seul à le savoir, mais voilà. Henri Salvador. Non, écoutez. Il y a bien longtemps que cela existe. Orlando. Non, c'est Claude François. Je me suis fait doubler par Ferrari, d'accord. C'est vrai, c'est Pierre. Ma mère est fan. Et c'était une danse égyptienne, d'ailleurs, je crois, c'est ça. Ah, c'est ça. Il n'y a rien de mieux pour la digestion. Après le repas, c'est une occasion. Pour perdre ton ventre, éteins la télévision. Le Naboo, le Naboo. C'est la danse que vous appelez le twist. Oh, le Naboo. Alors en fait, oui, le Naboo, ça doit être le twist égyptien. C'est ça. Effectivement, alors, c'est son premier disque à Claude François. Ah ben, je rappelle une règle à Jérémy Ferrari. Quand les questions ont comme réponse Claude François, il faut me laisser la dire. C'est le seul que je connaisse. Et oui, j'avais choisi cette question pour vous parce que c'est son premier 45 tours. Il s'appelait Coco d'ailleurs. Il s'appelait même pas Claude François à cette époque-là. C'est son premier disque, le Naboo Twist. Coco avant Clo-Clo. Coco avant Clo-Clo, exactement, cher Ariel. Oui. Il l'a fait d'ailleurs en version française, en version arabe. Et le Naboo Twist n'a pas très bien marché chez nous, mais ça a été un succès. En Afrique, le Naboo Twist de Claude François, on va dire bonne réponse collective. Bravo. Oh, une question qui pourrait rapporter 300 euros à Georges Fontaine, qui habite Lille. On aime bien évoquer cette époque, heureusement révolue, des duels, puisqu'à l'époque, quand quelqu'un, évidemment, était, on va dire, humilié... Je ne suis pas sûr qu'il faille dire heureusement révolue. Ah, vous aimiez bien les duels. Je trouve qu'au moins, ça permettait de prendre ses responsabilités. Quand on insulte quelqu'un, on sait qu'on peut finir sur la prairie. C'est pas mal, je trouve, moi. Alors, à l'époque, en 1832, il y avait certes une épidémie de choléra à Paris, mais il y a quelqu'un
qui est mort, lui, à l'âge de 20 ans. Vous vous rendez compte, c'est très jeune. Il est mort dans un duel. Et c'était un célèbre mathématicien français. De qui s'agit-il ? Bien sûr. Villani ? Non. Ah non, pas Villani. Il est mort dans un duel. Villani, il est mort dans un duel, mais à la mairie de Paris. Voilà. C'était pas le même. Remarquez, ils sont morts tous les deux, lui et Buzyn, vous voyez. Oui. Je meurs victime d'une infâme coquette. Évariste Galois. Ouf. Oh là là, où est-ce qu'il Et il fallait aller le chercher parce que ça fait 3 minutes que je suis. Oui, bah ça va. Bravo, bravo. Évariste Galois, excellente réponse. Ouais. De Franck Ferrand. Alors, ces derniers mots, c'est je meurs quoi ? Je meurs victime d'une coquette ? D'une infâme coquette. Bah oui, parce que ça valait même pas le coup. Le duel a eu lieu le 30 mai 1832 au matin près de l'étang de la Glacière. Et Évariste Galois, c'est bien son nom, est un jeune mathématicien qui a 20 ans. Il a atteint d'une balle tirée à 25 pas qui le touche de profil à l'abdomen. Il est conduit à l'hôpital Cochin par un paysan, mais il va mourir dès le lendemain d'une péritonite le 31 mai 1832 dans les bras de son frère Alfred après avoir refusé le service d'un prêtre. Mais c'est la deuxième question sur 1832. Oui, oui, parce que j'ai choisi que c'est le choléra. L'épidémie de choléra de l'époque, vous voyez. Okay. Et on sait qui l'a tué, Laurent ? Ben, c'est un mari jaloux. Alors non, justement, oui, mais est-ce qu'il est connu ? On n'a pas le nom de son adversaire. On sait en revanche que ce serait pour une jeune femme qui s'appelait Stéphanie Félicie Potrin du Motel. Ah oui. C'est vrai qu'elle ne valait pas le coup. Elle a un prénom à dire. C'est le nom d'une fille facile, ça. Ah, oui, ah ben oui, justement. Il y avait un autre amoureux, manifestement. Ben oui. Et c'est ainsi qu'ils se sont battus en duel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme découverte, Évariste Galois, pour qu'on ait retenu son nom ? Enfin, quand je dis qu'on ait retenu son nom, pour que Franck Ferrand ait retenu son nom. Oui. Il n'y a pas de vous, d'ailleurs. Il y a un jeune romancier. Oui, François-Henri Désérable. Exactement. Qui a fait une jolie bio. Qui avait fait une biographie de ce mathématicien. Mathématicien à qui on doit une théorie des équations, théorie des corps, théorie des groupes. Bon, la théorie des nombres entiers, je crois. Je crois qu'il avait découvert aussi qu'une balle de revolver va au-delà de 25 mètres. C'est pas faux, monsieur Palmade. Tiens, mais puisqu'on est dans l'histoire et l'art, pouvez-vous me donner, là, ce sera très difficile aussi, car j'ai déjà piégé les grosses têtes à l'époque avec cette question, il y a 3 ou 4 ans de cela. Et si j'ai ressorti cette question, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas Franck Ferrand parmi nous. Et, oui, et oui. Je me dis, tiens, là, avec Franck Ferrand, avec Antoine Duléry, avec Pierre Palmade, qui n'était pas là non plus à cette époque, avec Jérémy Ferrand, bon non, pas lui. Quel est le seul peintre qui se trouve au Panthéon ? Ah, Ingres. Ingres, non. Un peintre né en 1716 et mort en 1809. Ah, c'est Greuze, non ? Greuze, non. Le seul peintre qui soit au Panthéon. Géricault. Fragonard. Géricault, non. Fragonard, c'est non. Presque les dates de Fragonard. Hein. Ouais. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Ah, ça pourrait pas être tout simplement David ? David, bah non. Bah non, parce que 1700. Très connu, Laurent. En tout cas, c'est lui qui a formé justement le peintre Jacques-Louis David. Et pas voilà. Le coiffeur, hein, le peintre. Ah, ce serait pas Guérin, par hasard. Pardon. Guérin. Guérin, non. Jérôme. Jérôme, non. Alors, son tableau le plus célèbre s'appelle La marchande à la toilette. Ah. C'est pas l'épicier, c'est l'épicier, pas Vien. Non. Pardon. Vien. 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 Joseph-Marie Vien. Excellente réponse. Vien. Encore de Franck Ferrand. On n'a pas collé. On n'a pas collé cette fois-ci. Bravo. Ah non, là vraiment, je vais pouvoir ressortir toutes les questions de l'époque. Ah oui, Vien. Allez, encore une, et puis après, j'arrête de tester Franck Ferrand. J'ai une question pour Nelly Todin, qui habite Saint-Joachim en Loire-Atlantique. Et là, il s'agit de retrouver pour vous, cher Franck Ferrand, mais les autres peuvent tenter de jouer aussi. Ah bah, je vais me gêner. Oh bah non, mais c'est facile à trouver pour Ariel, parce que c'est aussi le nom d'une station de métro. Donc, Picard, la station Picard. Quelle ligne ? Ah non, mais, avec que des femmes frigides. Ah non, non, mais c'est quelqu'un qui a non seulement une station de métro, sur la ligne 6, si ça vous intéresse, oui, qui a un boulevard même qui porte son nom. Il y a eu un cuirassé français qui portait son nom. Il y a même une rue du centre de Bucarest qui porte son nom, la Strada. Ah, je vais pas vous donner son nom, évidemment. Il a aussi une rue, une impasse
à Saint-Maur-des-Fossés, une rue à Nantes. C'est ce dont il est le plus fier d'ailleurs. Une place à Lyon. Et on lui doit à ce confrère, car c'est un confrère de M. Ferrand, un précurseur et confrère, un historien, on lui doit un texte qui a servi de dictée pendant des années aux écoliers, un texte qui s'appelle « Aucune machine ne vous exemptera d'être homme ». Et donc, il faut trouver le gars qui a dit ça ? Oui, qui a écrit ça. Donc, il est du 18e siècle ? Alors, c'est un historien du 19e. Corvisart ! Ah non, non, c'est bien, parce que ça, vous faites le métro, là, j'ai l'impression. Oui, ce ne serait pas Guizot, donc. Diderot, historien, poète, philosophe, homme politique français, républicain, anticlérical. Lamothe Piquet ! Ah ben, c'est pas le fameux Louis Blanc dont on parlait. Louis Blanc, non. Lamothe Piquet, non. On lui doit... Grenelle ? Pardon ? Grenelle ? Grenelle, non. Ah, Cambronne ? Alors, il y en a qui sont sur la station de métro et d'autres sur l'histoire. On ne sait pas, on doit changer. Cambronne, non. Ah bah c'est Hôtel de Ville. Non, c'est pas sur la 6. C'est pas Hôtel de Ville. C'est pas Jules Favre. Jules Favre, non. Et si j'ai eu l'idée d'aller rechercher l'histoire de cet historien, c'est parce qu'il était cité dans le Figaro aujourd'hui. Ah. Et oui, car on célèbre le début de l'insurrection des Grecs contre l'occupation ottomane le 25 mars 1821. Ah oui. Et il avait écrit « Qui se souvient aujourd'hui de l'émotion qu'éveillait le nom seul de la Grèce de 1821 à 1829 ?» Cet historien qui a entrevu les dangers de l'hégémonie prussienne, puisqu'il avait écrit aussi « Le système politique de l'Allemagne », un grand historien qui a quand même un boulevard à Paris, une station de métro. Jacques de Bainville ? Jacques de Bainville, non. Jacques Bainville, c'est plus tard, mais... Dans Birakem, le... Birakem ! Birakem, non. Oui, c'est plus tard, tu as raison. Bougainvilliers ? Non, 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 non. Non, c'est un historien. C'est quelqu'un d'ailleurs qui dut, comme Victor Hugo, aussi, donc partir en exil. À un moment donné, il s'est exilé, il a dû vivre à Bruxelles, puis ensuite à Genève. Elle a atteint un niveau, cette émission. C'est pas Baudelaire. Ah, t'aurais mieux fait de rester chez toi. Voltaire. Voltaire, non. Il vous reste 30 secondes. Ah, je ne pensais pas qu'on allait... Félix... Ah, Auguste Comte. Auguste Comte, non, ça c'est plus récent, Auguste Comte. Ah oui, c'est vrai. Là, on parle de quelqu'un qui a vécu donc entre 1803 et 1875. Et il s'agit de l'historien... historien... Dugommier ? Dugommier, non. On est toujours sur la ligne métro. Chevaleret, là. Chevaleret. Chevaleret, non. Ah, il est bien content. Oh. Il a eu Franck Ferrand. Edgar Quinet. Oh là là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Edgar Quinet, c'est 300 euros qui s'en vont pour Madame Todin de Saint-Joachim. Grâce à Edgar Quinet. Edgar Quinet. Une question pour Frédéric Demol, qui habite Saint-Brieuc-des-Ifs en Ille-et-Vilaine. Monsieur Demol espère... Ah oui, c'est... espère... Parce qu'il est raide, là, en ce moment. Alors, il espère 300 euros. Et la question concerne encore un peintre. Mais... Ah, génial. Mais cette fois plus contemporain. Je tiens à rassurer Jérémy Ferreri, qui réclame des questions contemporaines, des questions d'aujourd'hui. Monsieur Palmade, vous pouvez aussi trouver la réponse à cette question. Je vous Claude rassure. François. Non, pas Claude François. Mais il s'agit de quelqu'un qui a eu une liaison avec ce peintre, peintre qui signa à la fin de leur liaison sa rupture par quelque chose d'étonnant, parce qu'il avait tout simplement offert à celle avec qui il était fiancé d'étoiles. God bless. Et voilà. Allez hop, fallait bien que ça finisse par arriver. Chez vous, Laurent. Chez vous. Assassin. C'est long de continuer à faire cette émission. L'émission est terminée. Au revoir, messieurs, dames. Circulez, circulez. Attends, c'est mon allergie habituelle du printemps. Ouais. C'est ce qu'ils disent tous. Mesdames, messieurs. Ah non, si vous me dites tous, je tousse. Justement, il ne faut pas confondre tousser et éternuer. C'est vrai. Rien à voir. Quand vous éternuez, rien de grave. Donc, mon peintre en question, pour marquer sa rupture avec l'autre personnalité, car il s'agit de retrouver deux noms, hein, vous avez bien compris. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a réclamé les tableaux qu'il lui avait offerts. Une fois qu'il les a récupérés, les tableaux, il les a peints tous en noir. Dali et Pierre Soulages. Et c'est pas Soulages. Non, non. Dali c'est et Gala. Pas Jeff Koons et la Cicciolina. Ah, ça c'est pas bête. C'est vrai que Jeff Koons et la Cicciolina, c'est un vrai couple contemporain. Mais non.
Et elle était connue, elle aussi, ou elle est connue parce qu'elle est sa modèle? Ah non, ils sont connus aussi bien l'un que l'autre. Ah, il est toujours en vie, le peintre. C'est elle qui a raconté ça. Non, lui, il est mort. Elle a dit, quand j'ai rompu, il m'a fait rendre les toiles qu'il m'avait offertes, puis il les a peintes en noir. Eh ben, c'est Dali et Amanda Lear. Ça, c'est pas bête. Non, j'ai dit Dali et Gala. Mais c'est pas Dali et Amanda Lear, et c'est pas Dali et Gala. Non, ils ont jamais rompu, Dali et Gala. Elle vit encore, Laurent. Elle vit encore. Ah oui, ça c'est. En revanche, Picasso et une femme. En revanche, Picasso et une femme. Et Dora Maar. C'est pas Balthus. Hein. Ce n'est pas Balthus. C'est Bernard. Non. Et vous connaissez aussi bien le peintre que la femme en question. Ah ouais. Peut-être que vous connaissez mieux la femme en question que le peintre, mais lui est désormais très célèbre aussi. Il est mort il y a longtemps. Oh, il est mort très très jeune, pour tout vous dire. C'est Klimt. Pardon. Klein, non. Nicolas Stahl. Non. De Stahl. Elle a la cinquantaine aujourd'hui. Ah oui, oui, ça allait très peut-être jeune, même 60. Oh, ah, est-ce que ce serait Armand? Armand, non. Est-ce que c'est la même époque et la même période que Picasso? C'est un peintre français. C'est plus contemporain. Elle a été sur scène encore il n'y a pas si longtemps. C'est un peintre français. Alors, ce n'est pas un peintre français. Ah. Elle était sur scène. C'est Roy Lichtenstein. Elle a été sur scène il y a quelques temps. En France? En France. Ah ouais? Une 50 ans. Un Américain. Non, 50 ans, elle est plus près de. Je me demande si elle n'a pas la soixantaine maintenant déjà. Bon, Valérie, t'es sortie avec qui? C'est un Américain, lui. Ouais. Un Américain. Je me suis fait un peintre, mais en bâtiment. Elle joue dans des pièces de théâtre classique. Elle a joué au cinéma dans une comédie musicale, mais elle joue rarement au théâtre. Mais elle est sur scène, elle était sur scène il y a quelques semaines à Paris, encore avant le confinement. Dans une comédie musicale? Non, dans une comédie musicale, non, mais elle chantait sur scène. Mais elle est américaine, elle. Elle est américaine, elle aussi, oui. Un peintre. Ils sont l'un et l'autre américains. Ça peut pas être Madonna? C'est Madonna. Madonna. Ah. Et lui. Et lui. Ah, bah c'est celui qui fait du street art, là. Oui. Keith Haring. Pardon. Keith Haring. Ah non. Non, beaucoup plus connu. Le street art là. Non, c'est pas Basquiat. Et Jean-Michel Basquiat. Ah, bon. Madonna et Jean-Michel Basquiat. Bonne réponse. Bonne réponse. Dariel Dombasle et Valérie Mérès. Jean-Michel Basquiat et Madonna. Bravo Valérie. J'ai trouvé Madonna, vous pouvez me dire bravo quand même, ça n'arrive pas souvent déjà. Bravo à Jérémy. Ah, ça c'était contemporain quand même. C'était contemporain. Oui. Une question géographique maintenant, si vous le voulez bien, vous qui êtes un grand voyageur, Pierre, je le sais. Si vous voulez. Enfin. On arrive, c'est vrai. Nous avons. La lumière arrive sur moi. Si vous voulez voir le fer à cheval ou le voile de la mariée, où devez-vous vous rendre? C'est en France? Ce n'est pas en France. Au Maroc. Ce sont des falaises? Des falaises, on n'est pas loin de falaises, oui. Je vous laisse chercher. Hein. Est-ce que ce sont des archipels? Ce n'est pas en France, en tout cas, ce ne sont pas des archipels. C'est sur le continent africain? Africain, non. Américain? Alors, Amérique du Sud. Pas seulement américain, mais aussi américain. Est-ce que ce serait l'Antarctique ou... Non, le fer à cheval et le voile de la mariée. C'est en Argentine? Je ne sais pas si Est-ce vous que y c'est êtes dans allé. Les pôles? Ce n'est pas en Argentine. Dans les pôles, du côté du détroit de Bering, non? Du détroit de Bering, non. Dans les pôles? Comment ça, dans les pôles? De manière générale, est-ce que c'est sur un pôle sud ou pôle nord? Ah non, ça n'est non, pas non. que américain, donc... Non, ce n'est pas que américain. C'est russe aussi, c'est à une frontière, pour être très précis. Au Canada? Entre le Canada et les États-Unis. Ah, mais c'est dans les Grands Lacs, du côté des Grands Lacs. Alors, dans qu'est-ce que c'est que le fer à cheval? Le détroit de Bering. Non. C'est dans les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara. Ah. Bonne réponse de Franck Ferrand. Le fer à cheval, c'est côté canadien. Et le voile de la mariée, c'est côté américain. Bravo. RTL. La valise. 1150 euros dans la valise RTL et 6 choses au total. Nous allons confier notre valise à notre amie Arielle Dombasle qui maintenant fait tout. Elle porte même les valises. Avant, elle avait du personnel, mais là, aujourd'hui, elle porte tout toute seule. Chère Valérie, voulez-vous bien donner un numéro entre 1 et 20? Nous allons prendre le 8. Le 8. Virginie Perron. Mme Perron, mademoiselle Perron, habite Périgny-sur-Yerre. C'est en région parisienne. S'ils ne répondent pas, ils paieront. Dans le Val-de-Marne, Virginie Perron à Périgny-sur-Yerre. Ça sonne déjà. J'entends la sonnerie. Je vais entendre la sonnerie. Oui. Ah, voilà. Et c'est fait. Mes désirs sont souvent des ordres. Allô? Allô, est-ce que je peux parler à Virginie Perron? Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous habitez bien Périgny-sur-Yerre? Tout à fait. Et c'est dans le Val-de-Marne, ça? C'est ça. Ah ah! Chère Virginie Perron,
Je crois savoir qui vous êtes. Mais oui, mais donc j'avais Ariel Dombal en ligne. Mais oui, c'est ça. Mais on vous appelle parce que peut-être vous allez quoi ? On vous appelle pour une question. Est-ce que vous pourriez venir faire un non, lit ? Non, je n'ai pas la valise. Je sais qu'il y a du papier toilette, sans rouleau de papier toilette. C'est génial. Mais hein. Pour le reste, je la note pas en fait. Oh. Je ne suis pas inscrite. Oh là c'est dommage. Là. Mais non, mais on appelle tous les auditeurs de RTL. Qui se sont manifestés. Un jour ou l'autre, auprès de notre antenne, vous avez dû appeler un jour une station, enfin Oui, pour un autre jeu. Et ben voilà, et ben il suffit. Vous êtes dans nos listes, tout simplement. Ah, d'accord. Eh oui. Oh, mais c'est dommage. On ne vous lâchera pas. ça me fait plaisir de vous entendre, en tout cas. Bah oui, qu'est-ce que vous faites là pendant le confinement, alors, Virginie ? Eh ben là, on est sur les devoirs avec les trois enfants. Ah oui, quand même. Oh trois enfants à la maison. Oh là là. Et ça va durer encore au moins 4 semaines, vous avez entendu. Hein bah oui, voilà. Plus le télétravail, donc on s'ennuie pas là. Ah bah c'est bien. C'est bien de ne pas s'ennuyer parce qu'il y en a qui s'ennuient pendant le confinement, vous voyez. Au moins, non, nous, on n'a pas le temps. Au moins, vous êtes occupé, mais vous avez perdu quand même 1150 euros, un séjour au grand hôtel de Motley-Clébin, l'album de Oshi, la gamme complète, la baffe d'escargot bio. Bon, le temps qu'elle arrive, Mademoiselle Agathe, le confinement sera terminé. Un bon d'achat de 500 euros chez Spartoo, 100 rouleaux de papier toilette Paperback de chez Renova et 12 bouteilles d'huile d'olive. Dans des grands placards. Émile Noël. Et j'ajoute un abonnement de 6 mois à Black Note. Je vais vous envoyer des montres RTL pour vous et toute votre famille, évidemment, Virginie. Et puis, pour les prochains auditeurs que nous appellerons, sachez qu'il y a un abonnement de 6 mois à Black Note. Black Note, c'est le Netflix du jeu vidéo. Vous savez, comme le proposent de plus en plus de plateformes de streaming pour les films, eh bien, il y a la même chose pour les jeux vidéo. Black Note, c'est un catalogue de 365 jeux vidéo. Un par jour, si vous avez envie de jouer de façon illimitée et sans console. Black Note vous offre un abonnement dans la valise RTL, un abonnement de 6 mois. On vous embrasse, Virginie. Merci, à bientôt. Je vous en prie. Et au téléphone, on a quelqu'un qui est le roi de la valise RTL, aussi et qu'on prend des nouvelles de nos grosses têtes chaque jour. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Bigard qu'on a au téléphone. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent, bonjour les amis. Salut Jean-Marie. Ça va Jean-Marie ? Où est-ce que vous êtes confiné ? Ça me fait chaud au cœur de vous entendre. Mais nous aussi, on est contents de t'entendre. Où est-ce que vous êtes confiné, vous, Jean-Marie ? Eh ben oui, je suis archi confiné, oui, mais on trouve des trucs. Nous, par exemple, avec ma femme, on ne s'adresse plus la parole. plus du tout. Elle me fait un signe, je sais qu'il faut que je fasse la vaisselle. Voilà, par exemple. Et ça a marché au moins 3-4 jours. Et un deuxième truc, j'ai fait un puzzle de 1000 pièces. Et puis finalement, j'ai laissé tomber parce que le chat, il me le détruit toutes les nuits. Tu vois. Oh. Pour des raisons de santé, vous devez faire très attention en plus, Jean-Marie. Bah, moi, j'ai une insuffisance cardiaque et je suis diabétique. Moi, je l'attrape, je meurs. Hein. Ah ouais. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on vous appelle et qu'on vous dit, restez bien chez vous. Ah bah oui, ne venez pas ici surtout, Jean-Marie. Non, mais ça me manque terriblement de venir m'amuser avec vous. Quoi. Tu ne nous manques absolument pas. Je dis ça pour te faire plaisir. Est-ce que vous avez quand même une petite histoire avant les infos, Jean-Marie ? Bah bien sûr, c'est trois rats marseillais. Ils sont confinés, hein, eux aussi, hein, dans les égouts. Hein, ils en ont plein le cul. Hein. Je veux dire que ça déballe grave sur les hommes, quoi, en général. Il y en a un qui dit « ils nous font tous ces chiens hein, avec leur tapette de merde. Hein. » Il dit « moi, c'est ce que je fais, moi. J'ai un grand coup de pied dans la tapette, elle se déclenche. Et ensuite, je mange le fromage tranquillement, tu vois. » Et l'autre, il dit, eh ouais, bien sûr, moi, par exemple, le blé, leur blé empoisonné, là, je m'en sers de gâteau à apéritif, qui même pas une aigreur d'estomac. Et le troisième rat marseillais, il est concerné, il regarde les deux autres, il dit, bon, je vais vous laisser, parce que là, c'est l'heure où j'encule le chat. Voilà. Elle est très délicate. Ah oui. Et l'autre, il rentre dans un bar. Ah oui. Il dit, je voudrais un sandwich au crocodile. Et le garçon, il dit, désolé, on n'a plus de pain. J'adore celle-là. Celle-là est plus mignonne. J'en ai une autre mignonne. Allez-y. 2h du matin. Le mec, il est très énervé, 2h du matin, il décroche le téléphone, il fait « Allô ? Quoi ?» Mais il dit « Mais j'en sais rien, moi !»« Il m'a demandé au renseignement !»
Oui, c'est ça. Demandez aux renseignements de la SNCF. Et il raccroche rageusement. Sa femme a dit, c'était qui? Bah, il dit, j'en sais rien. C'était un abruti qui me demandait si la voie était libre. Ah oui, elle est très subtile. Ah, moi, j'ai pas on vous l'expliquera, Ariel. Mais en tout cas, elle est bien. Elle est très bien, monsieur Bigard. Ouais. Merci, vous me manquez tellement. Bisous, Jean-Marie. On t'embrasse bien fort. On vous embrasse. Bisous, Jean-Marie. On espère juste que les trois rats en question ne sont pas les rats de laboratoire utilisés par le professeur Raoult à Marseille. Mais en tout cas, c'était une belle histoire d'actualité. On adore le sandwich au crocodile. Ah oui. Ariel va chez Picard en acheter dès cet après-midi. Merci, Jean-Marie. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombasle, Valérie Mérès, Pierre Palmade, Antoine Duléry, Jérémy Ferrari et Franck Ferrand. Oh, une petite question facile, là, quand même, pour démarrer. C'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'artistes en ce moment, donne des concerts, vous savez, via Instagram ou Facebook, hein, puisque chacun est chez soi. Les artistes en profitent. On sait que Mathieu Chédid l'a fait depuis son studio de chanteur. Mais aussi Héloïse Letissier le fait régulièrement. Elle a proposé, elle aussi, une chanson sur Internet. Mais qui est Héloïse Letissier? Une navigatrice? Ah non, c'est une chanteuse, je viens de vous dire. Une artiste. Parce qu'elle fait du bateau devant son écran dans son salon, c'est plus compliqué. Hein. Alors, c'est pas Zazie. Ah, ce n'est pas Zazie. C'est la fille. Elle s'appelle De Trucherie quelque chose. Voilà. Zazie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une émission genre The Voice ou... Non, pas du tout. Héloïse Letissier est une des artistes françaises les plus connues, même d'ailleurs internationalement aujourd'hui. Patricia Cass? Patricia Cass, ah non, Patricia Cass a été connue internationalement il y a quelques années. On l'aime beaucoup, mais elle a un peu moins la cote aujourd'hui. Ouais. Là, Héloïse Letissier, je vous parle de quelqu'un qui est vraiment très, très, très connu encore maintenant. Est-ce qu'elle est française? Elle est française, Héloïse Letissier. Ah bah oui, avec son nom. C'est pas Clara Luciani? Ah, Clara Luciani, non, elle s'appelle Clara Luciani, Clara Luciani. Donc c'est une Française qui a une carrière internationale? Oui, c'est vrai. Et elle est connue depuis longtemps? Et elle vient, elle aussi, de proposer sur Internet une de ses œuvres. Elle a même proposé un livre l'autre jour. En fait, elle parle beaucoup avec ses fans à travers... Ah, est-ce que ce ne serait pas Pomme? Pomme, non. Ah ça, c'est tout nouveau, Pomme, bravo, chère Ariel. La grande Sophie aussi a proposé une nouvelle chanson avec un message civique via Internet. Elle est connue depuis très longtemps? Non, depuis 3, 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans. Donc ce n'est pas Juliette Gréco? Ce n'est pas... Ah non, mais c'est quelqu'un qui a un énorme succès. Hein. Là, c'est très facile comme question, autant vous dire. C'est pas Angèle, elle est belge. Ah bah oui, c'est... Vous voyez, monsieur Ferrari, quand je pose des questions contemporaines... Quand... Oui, il n'est pas meilleur. Il faut trouver la bonne... Il y a une année qui va me correspondre. Est-ce que ce n'est pas Scheim? Scheim, non. Ah non, on a dit gros succès. Christine and the Queens? Christine and the Queens, bonne réponse de Pierre Palmade. Il est tout content. Oh là là, ah bah, dis donc, François. Pierre, alors? Non, mais je suis venu de ma campagne pour avoir un point, je suis content. Mais bien fait de venir. On a appris, parmi les disparitions célèbres du moment, la disparition d'un Américain mort du coronavirus. On sait que Manu Dibango, c'est son cas. C'est pas le cas de tous les décès. Parce qu'il faudrait c'était pas le cas d'Uderzo. Uderzo, non, par exemple, la famille a tenu à préciser que ça n'avait rien à voir avec le coronavirus. Pareil pour Kenny Rogers, d'ailleurs. En revanche, là, on nous a appris la disparition, il faut le dire, d'un auteur dramatique américain qui s'appelait Terence McNally, qui lui est mort du coronavirus. Vous connaissiez Terence McNally? Oui, il a fait une très jolie pièce sur la calasse. Qui s'appelait, c'était ma question. Ah oui, Masterclass. Pardon? Masterclass, réponse de Pierre Palmade. On peut peut-être la partager quand même. Ah non, parce que vous avez dit une pièce sur la calasse. J'ai dit Master Calasse.
Dallas. Oui, mais la, le titre de la pièce, c'était. Non, mais il m'a mis sur la piste, on partage le point. Oh, merci. Et en France, merci, c'était Fanny Ardant. Voilà. Qui jouait, c'était, et c'était mis en scène par Paul Anselme. Je suis désolée, il y a eu aussi Monsieur Marie Laforêt. Ferrand, c'est pas bien ce que vous venez de dire. Parce que Marie Laforêt. Certes, c'est Fanny Ardant qui a créé Masterclass, mais la plus fabuleuse et la plus prodigieuse. Ah. Mais en plus, c'est reconnu. C'est vrai. C'était Marie Laforêt. C'était Marie Laforêt. Et elle savait chanter. Qui l'a joué quatre fois. Elle l'a joué à l'Opéra Comique. Ça a été joué au Théâtre Antoine et ça a été joué au Théâtre de Paris, tellement elle était brillantissime dans le rôle de la Calas qui donnait des cours à des jeunes élèves. C'était le principe de cette pièce, oui, écrite par ce dramaturge américain à qui on doit aussi d'ailleurs le livret d'une comédie musicale qui s'appelait Corpus Christi, qui avait fait scandale aux États-Unis dans les années 90, qui représentait un Christ gay, oui, séduit par Judas. Il avait écrit aussi Le baiser de la femme araignée qui se faisait Spider-Woman. Ah, sure. Ça avait fait un film. Et oui, Full Monty aussi, Terence McNally, qui vient de mourir, donc du coronavirus. Quel âge avait-il, Laurent ? Alors écoutez, je n'ai pas... 81 ans, voilà, j'ai la précision, il vient de mourir à l'âge de 81 ans, Terence McNally. Grand auteur. Et effectivement, Masterclass a été joué par Marie Laforêt, comme j'aime à rappeler que vient de sortir l'intégrale de Marie Laforêt. 377 chansons, 14 albums en tout. Et pour la première fois, ses concerts en live, aussi bien le concert de l'Olympia en 1969 que le concert plus récent, c'était en 2005 au Bouffe Parisien. Je vous propose une jolie chanson écrite par Françoise Dorin, une chanson méconnue de Françoise Dorin, interprétée par Marie Laforêt. Elle l'a chantée sur scène en 2005 au Bouffe Parisien. Cette version est dans l'intégrale. Ça s'appelle Une petite ville. Petite ville, et la pluie qui tombe sur les rues désertes et les plantes vertes pendues aux fenêtres. Un couple s'enlace et s'enlace encore debout dans le froid d'une petite ville. Son vieux palace, une voiture passe, le couple s'embrasse et s'embrasse encore des milliers de fois. Regarde-moi, tu vois bien que je t'aime, tu ne vas pas partir, le jour commence à peine. Une petite ville, une gare humide, dans un café vide, un couple timide, assis face à face, chuchote à voix basse et se tient la main en guettant le train. Tu ne vas pas. Ici même, sous ce toit de tuiles.
6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Marie-Pierre Daniel, voilà trois prénoms qui se cachent derrière Marie-Pierre Daniel. C'est vous, madame, bonjour. Bonjour, bonjour les grosses têtes. Bonjour Marie-Pierre bonjour. Daniel. Marie-Pierre, c'est votre prénom, c'est pas Marie-Pierre oui. Daniel ou c'est Marie-Pierre Daniel Marie-Pierre. 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 Marie-Pierre qui appelle depuis le Finistère. Comment se passe le confinement dans le Finistère, Marie-Pierre? Oh, très bien, il fait beau, on a un grand jardin. Bon, alors tout va bien. Tout va bien. Et vous écoutez les grosses têtes pour vous distraire un peu? Ça vous fait du bien ? Ah oui. Et en plus, vous allez peut-être recevoir de nouvelles chaussures que vous commanderez vous-même sur Spartoo. Car en jeu, cet après-midi, c'est un bon d'achat de 500 euros valable sur Spartoo.com. Spartoo.com, c'est le spécialiste de vente en ligne de chaussures, de prêt-à-porter et de maroquinerie. Vêtements, sacs à la mode, livraison gratuite. Le slogan, un peu opportuniste du moment, c'est « Restez chez vous ! Spartoo vous livre gratuitement à domicile. » Oui, c'est vraiment opportuniste. On peut pas faire plus, là. Marie-Pierre, il s'agit d'écouter mes grosses têtes et de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Nous commençons par Jérémy Ferrari. Pour la première fois, on peut trouver le canard enchaîné en version numérique sur Internet. Pénélope Fillon est ravie, elle n'a plus besoin d'aller au kiosque pour avoir des nouvelles de son mari. Pierre Palmade. Alors, le gouvernement réclamant une attestation différente, vous le savez, à chaque déplacement, Madame Borne, la ministre de l'écologie, a conseillé d'utiliser votre stock de papier toilette pour les imprimer. Valérie Mérès. Ça paraît fou, mais... Théorie du complot. Pangolin et pandémie se seraient mis d'accord pour faire gagner du fric à Panzani. Il n'y a pas de hasard. Franck Ferrand. Donald Trump a publiquement demandé à George Clooney de reprendre du service comme médecin urgentiste. L'acteur a eu beau expliquer que c'était une fiction, le président américain n'a rien voulu entendre. Ariel Dombal. Nabila a conseillé aux internautes de bien se laver les dents juste avant de mettre un masque, parce que si vous mettez le masque le nez dedans et que vous parlez et que vous ne vous êtes pas lavé les dents, vous risquez de vous asphyxier. Et là, c'est grave, quoi. Antoine Duléry. Les parents de Greta Thunberg ont été aperçus hier en train de se balader dans les rues de Stockholm, confinés avec leur fille. Ils préfèrent finalement payer des amendes ou tomber malade. C'est horrible. Marie-Pierre, vous avez bien entendu tout le monde. Ah oui. Alors, à votre avis, qui dit la vérité? Embêtée. Alors, procédez par élimination. Si vous êtes embêté, si vous avez... tout éliminé. On ne l'avait écoutez, jamais dit. C'est que vous êtes bien. En bonne santé. Buvez, éliminez, Marie-Pierre. Bon, bah, on va vous aider. Refaisons les choses une par une. Qui vous éliminez d'emblée? J'ai tout éliminé, Jérôme Ferrari. Ah oui. Alors Jérémy Ferrari, c'était Mme Fillon qui est contente parce qu'elle n'a plus besoin d'aller au kiosque pour avoir des nouvelles de son mari. Bon, allez, ça c'était faux, vous avez raison. Même si c'est vrai que le Canard Enchaîné sort pour la première fois en version numérique, je le signale. Petite version d'ailleurs, hein, parce que tout le monde ne peut pas travailler en ce moment. Il y a 4 pages seulement du Canard Enchaîné aujourd'hui. Pas beaucoup. Mais, que sur Fillon. Mais vous pouvez le trouver sur lecanardenchaîné.fr pour la première fois, moyennant 1 euro si vous n'êtes pas abonné, gratuitement si vous l'êtes, évidemment. Mais vous faites bien d'éliminer Jérémy Ferrari. J'élimine Ariel Dombal aussi. Alors, Ariel Dombal, c'était Nabila, Nabila, c'est ça? Bah, j'hésite à l'éliminer. Ah, ah bon, quand ah, même ah. Merci Marie-Pierre, toujours hésiter à m'éliminer. Franck Ferrand, j'ai éliminé. Ah oui, ah bah c'est gentil. Il raconte que des conneries. Oui, tout c'est rien. Il sait rien. Il est nul, il raconte que des histoires. Ah, surtout, surtout. Ah, je me suis fait éliminer aussi, elle vient de dire. Ah oui, Palma d'éliminer aussi, c'est parti. Vous pouvez me répéter celle de Valérie Mérès. Ah, Valérie Mérès, c'était Pangolin et Pandémie sont dans un bateau. Pangolin tombe à l'eau, il reste Panzani. Je l'élimine aussi. Et Antoine Duléry, c'était... Alors, les parents de Greta Thunberg ont été aperçus hier en train de se balader dans la rue de Stockholm, confinés avec leur fille, préfèrent finalement payer des amendes ou tomber malade, chère Bretonne. Vous aviez un doute, chère Marie-Pierre? Et oui, alors, je garde Ariel Dombal. Et voilà. Et voilà. Et oui. Vous avez gagné, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Nabila a vraiment conseillé aux internautes de se laver les dents avant de mettre un masque. Et je crois même qu'on a le son de Nabila. Du coup, lavez-vous les dents juste avant aussi, parce que si vous mettez le masque, le nez dedans
et que vous parlez, que vous n'êtes pas lavé les dents, vous risquez de vous asphyxier. Et là, c'est grave, quoi. Vous voyez, c'est bien qu'on ait des vrais scientifiques qui nous parlent. Son nouveau tube. Le nom de Dabila, je doutais. Dentifrice. Ah bah oui, mais c'était la bonne réponse, Marie-Pierre. Bravo, Marie-Pierre. Bravo. Bravo, on est ravis de vous envoyer votre bon de 500 euros pour Spartoo. Et on vous souhaite évidemment de passer un bon confinement et de rester prudente dans le Finistère. On vous embrasse, Marie-Pierre. Bravo, Marie-Pierre. Restez fidèles à RTL. Monsieur Chanson est au téléphone. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent. Bonjour Brian Faréopage. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Nous allons parler des plagiats de chansons africaines à l'occasion de la disparition de Manu Dibango, à qui on a déjà rendu hommage en écoutant son célèbre saxo. Mais il y avait eu un procès, vous allez nous le rappeler, entre Manu Dibango et Michael Jackson, Serge. Oui, la chanson de Dibango avait été écrite en 1972, s'appelait Makossa, et ça a été plagié 10 ans plus tard par Michael Jackson. La chanson, c'était I Wanna Be Starting Something, et c'était le titre numéro 1 de l'album Thriller qui s'est vendu à 60 millions d'exemplaires. Il n'y a pas eu procès, mais il y a eu un compromis entre Dibango et la production de Michael Jackson. On ne sait pas comment il a touché, mais il a parlé d'un gros paquet, Dibango. Alors voilà, on va écouter les deux. On commence toujours par la plus ancienne. Alors la plus ancienne, c'est donc d'abord Manu Dibango et ensuite Michael Jackson. Ah oui, c'est une évidence, là, pour le coup. Alors. Oui, incroyable. Et pourquoi avoir repris ses paroles? C'est stupide. C'est d'ailleurs à ça qu'il s'est fait repérer. Puis la musique aussi, bien sûr. Mais les paroles, parce que le style de danse s'appelle Makossa. Et il s'est amusé à Manu Dibango à dire, à bégayer dessus. Makossa. Et l'autre, il a repris exactement le même motif. C'est pas malin. Alors, il y a un autre exemple qui est l'exemple encore d'un plagiat d'une chanson ou d'une musique africaine. Et c'est Serge Gainsbourg, cette fois, qui est le coupable. Oui, une célèbre chanson qui date de 64, New York, USA, qui avait été copiée d'un titre d'un percussionniste nigérian qui vivait aux États-Unis. Le titre, c'était Akiwowo. Le musicien, c'était Babatunde Olatunji. La chanson datait de 5 ans plus tôt. Il y a eu un procès qui a coûté très cher à Gainsbourg. On n'en aurait jamais parlé en France si Guy Béat ne s'était pas fait un plaisir de le révéler après que Gainsbourg l'avait insulté dans une émission. Bah, évidemment, c'est de bonne guerre. Alors, on écoute d'abord Gainsbourg, c'est ça ? Non, on commence par la plus ancienne, par le percussionniste. Akiwowo. On les mélange un peu, vous allez voir. Écoutons. Ça, c'est le premier morceau. Hein. Oui. Et maintenant, bien court. J'ai vu New York. Ah oui. C'est celui qui chante en français. J'ai vu New York. New York et ça. J'ai jamais rien vu d'eau. J'ai jamais rien vu d'eau. Si haut, c'est haut, New York. New York et ça. Dans le couplet aussi, il y a une ressemblance. C'est fou. Un troisième exemple, monsieur Liado. C'est le plus ancien et c'est peut-être le plus célèbre. C'est cette chanson qui est intitulée en français « Le lion est mort ce soir ». Ah oui. Et au départ, ça a été enregistré par un mec qui faisait le ménage dans une maison de disques à Johannesburg, donc en Afrique du Sud. Et il a improvisé une mélopée. Ça s'est intitulé Mbuba, ce qui signifie en zoulou le lion. Il a été payé 1 livre pour ça. Et on ne lui a pas proposé de déposer le titre. Et puis, ça a été récupéré par les Américains. C'est devenu un tube. Ça a généré des millions de dollars. Et l'auteur, lui, il est mort en 68 avec seulement 25 dollars sur son compte en banque. Oh. Mbuba au départ. Donc. C'est terrible. Deux. C'est une évidence. Ils ont mis les paroles. On sent que ceux qui sont payés sont plus joyeux. Hein.
c'est horrible comme ça. Enfin, pas l'histoire du lion, mais. Non, mais celle du lion est triste. Bravo Serge Liano, belle démonstration. J'ai une question maintenant pour Sébastien Richard qui habite la Bruffière en Vendée. Je vais vous donner le nom d'une dame qui s'appelait Guy d'Herbemont. Qu'a inventé cette dame, Guy d'Herbemont, dans les années 1930 Est-ce que c'est quelque chose d'ordre médical? Oui, bravo. Enfin, médical. Elle n'a pas inventé quelque chose qui guérit. Médicinal. On va dire médicinal, non, mais en tout cas... Du matériel. Vous brûlez du matériel, en quelque sorte, oui. Ah, des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil, non. Pour ne pas faire des bébés. Pour... Mais curieusement, vous brûlez. Ah, de la crème solaire. De la crème solaire, non, pas du tout. Des lentilles de contact. Des lentilles de contact, non. Elle s'appelle Guilly d'Herbemont. Ah, des lunettes de toilette Non. Mais c'est rapport aux yeux? Oui. Non, et elle habite, alors qu'elle a 42 ans à cette époque-là, boulevard de Courcelles, dans un quartier de Paris, fréquenté par des gens qui... Marcel Proust. Non, qui font qu'elle va avoir une idée incroyable en se rendant rue Daru, précisément. Et Guilly d'Herbemont va écrire à un journal qui s'appelle L'Écho de Paris en disant « Voilà, moi j'ai une idée. » L'Écho de Paris publie sa lettre. Le préfet de police et le directeur de la police municipale font diligence, comme on dit dans ces cas-là. Les toilettes publiques. Et vont convoquer tout un conseil. Et on va finir par fabriquer ce dont elle a eu l'idée. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la rue, à disposition de tout le monde? Alors, à disposition de tout le monde, non, mais quand on en voit, c'est effectivement dans la rue. Des lampadaires? Et c'est vrai qu'elle a écrit donc en 1930 à l'Écho de Paris, et c'est en février 1931, quand, dans les salons du Cercle Interallié, que Guilly d'Herbemont a remis symboliquement, en présence de plusieurs ministres, les premières quoi? Des boîtes aux lettres? Des boîtes aux lettres, non. C'est un lien avec des lunettes de soleil, c'est ça qui... J'ai pas dit ça, j'ai dit que vous commenciez à brûler. C'est un truc pour, par rapport aux aveugles? Oui, bravo. Hein, les passages pour prévenir les cannes blanches. Les cannes blanches, oui, voilà. Bonne réponse de Franck Ferrand. Elle a inventé les cannes blanches. Ah, moi j'ai dit cannes. Hein. Pardon? J'ai dit cannes. Oui, vous avez dit cannes parce que vous pensiez à votre week-end, mais... non, mais j'ai dit cannes. Mais qu'il est rapide. Alors c'est l'idée du blanc, parce que évidemment... Quand on est aveugle, fatalement, on prend quelque chose pour sentir ce qu'il y a devant soi. Pas forcément, mais elle a eu... Est-ce que c'est l'idée du blanc? Elle a eu l'idée de leur donner des cannes blanches, qui, évidemment, depuis, sont devenues plus modernes. Hein, les cannes blanches, oui. Elles ont été parce allongées. Parce que tout le monde avait une canne à l'époque. Et oui, mais justement. Oui, mais là, c'est justement, créer c'est... l'empathie vis-à-vis de l'aveugle. Voilà, c'est blanc qui est important. Blanches, mais elles ont beaucoup changé. Maintenant, il y a quelque chose de rond, tu sais, qui te permet de... joué un aveugle, moi, donc j'ai vraiment... Dans quoi vous avez joué un aveugle? Un film pour la télévision qui s'appelait Les yeux ouverts, très joli film de Lorraine Lévy avec Clémentine Célarier. L'histoire d'un couple d'aveugles, et moi je retrouve la vue, et donc évidemment qu'est-ce que ça change dans notre couple, parce qu'il y en a un qui a toujours perdu la vue, et moi je retrouve la vue, et donc c'est ça cause un déséquilibre. Et donc, tu repeins ta canne j'avais... Alors la bonne réponse de Pierre Palmade. Bravo. Qui est qui? Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Jocelyne est au téléphone pour parier sur une grosse tête. Laquelle de mes grosses têtes lit le plus les journaux, suit le mieux l'actualité, sait qui est qui et qui fait quoi? Jocelyne, je sens que vous allez miser sur Pierre Palmade. Oh là là là. Allô, Jocelyne? Allô, Laurent? Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Laurent. Ah, bonjour, toute l'équipe. Bonjour. J'ai cru qu'on avait été coupé. Vous êtes à Épouville, en Seine-Maritime. Tout à fait, c'est près du Havre, Laurent. C'est ce que j'allais dire. C'est pas loin du Havre, ça, Épouville. Je suis pas sûr d'être déjà allé à Épouville, mais en tout cas, sûrement, c'est à combien de kilomètres du Havre? Oh, c'est à 10 kilomètres, 10-12. Je suis allé jusqu'à Épouville à vélo, peut-être, mais vous n'étiez pas encore là-bas. Vous êtes si jeune, Jocelyne. Oh, merci, Laurent. Faites quoi dans la vie? Je suis à la retraite, Laurent. Ah. Fallait pas le dire. À la retraite, infirmière. J'étais en train de tromper. Ah, infirmière, on va peut-être vous rappeler. Ouais, méfiez-vous. Je sais. Ah, voilà, on réquisitionne en ce moment, Jocelyne. Une très jolie. Et on va vous applaudir. Voilà. Ah oui, à 20h. Attendez 20h, il y a des heures pour ça. On applaudit. Puis un jour, on vous augmentera, mais on applaudit d'abord. Voilà. Oui, c'est ça. Ça coûte rien, ça. Pas tout en même temps. J'en ai marre, en fait, de ce truc. Mais oui, tout le monde applaudit. Faut arrêter d'applaudir les éboueurs, les infirmières. Non, augmentez-les. Et puis, vous êtes d'accord, Jocelyne? Bravo. Bien sûr. Ah, bah, tout à fait. Si mes collègues avaient une petite prime, ça serait très bien. Mais même
même pas une prime, pas une prime, c'est les salaires, non. Les salaires des infirmières, des aideurs, des caissières qui devraient augmenter. Et les applaudir, ça ne sert à rien. Il faut applaudir quand quelqu'un dit augmentons-les. C'est là qu'il faut applaudir. Il y a des liens très faciles à trouver pour faire des dons aux hôpitaux de France, tout ça. Exact. Jocelyne, vous allez peut-être toucher 300 euros. C'est pas si mal, mais il faut miser sur le bon cheval, la bonne grosse tête qui saura me dire qui est qui fait quoi. Alors, j'avoue que j'hésite entre Franck Ferrand ou Pierre Palmade. Oui, n'hésitez pas du tout. Hein. Il y a longtemps qu'on a eu Pierre Palmade. Eh oui, il y a longtemps. Bah oui, c'est beaucoup vieilli. Oui, hésiter entre Franck Ferrand et Pierre Palmade, quand même. Oui, là, c'est vraiment c'est le pôle Nord et le pôle Sud, quoi. C'est pas fréquent. Allez, c'est vrai que Franck Ferrand est très drôle. Est-ce que c'est la tendresse qui va gagner sur la raison? Pierre Palmade, j'avoue que je l'ai déjà vu plusieurs fois en spectacle, donc je vais tout miser sur lui. Allez. Il a une grosse pression. Alors, écoutez, je vais vous donner une chance parce que je vais commencer par l'autre bout de la table. Par Jérémy Ferrari, et comme Pierre est à l'autre bout, on va terminer par lui. Ça veut dire que si les 5 d'avant sont éliminés, vous avez gagné. Voilà. Ah, super. Allez, on y croit. À moins que je fasse l'inverse, que je commence par Pierre. Non, c'était bien comme vous disiez. De toute façon, moi, je retiens aucun nom, donc même monsieur ma mère. Monsieur Ferrari, vous savez tout de même qui est Didier Guillaume. Ah, c'est le. Ah non, ça, je sais. C'est le ministre de l'Agriculture. Parfait. Vous restez en course, monsieur Ferrari. Monsieur Duléry, pouvez-vous me dire qui est Ursula von der Leyen? Oui, c'est la concierge de la rue Colincourt. Non, c'est la présidente de la Commission européenne. Ah ben c'est ce que je viens de dire, oui, Laurent. Vous ne m'avez pas écouté. Vous êtes éliminé, monsieur Duléry. Pouvez-vous me dire, Franck Ferrand, qui est Nicolas Maduro? Ah, ça, c'est un beau nom de médecin urgentiste, non? Ça se tentait. Enfin, Nicolas Maduro. Non, mais je. Il fait du tissu. Célèbre historien du XVIIe siècle. Le président du Venezuela. Mais oui. Ah, mais oui, Maduro, pardon. Oui, Nicolas Maduro. Vous êtes éliminé, monsieur Ferrand. Tant mieux. Attention, Ariel Dombal, pouvez-vous me dire qui est Bill de Blasio? Bill de Blasio est un grand sportif. Ah oui. Qui a gagné l'Open. De rien du de tout. Tennis. À la limite, l'Open de New York, parce qu'il est maire de New York, Bill de Blasio, ah, voyez-vous. Zut alors. C'est le maire de New York, là, aux États-Unis, où l'épidémie a trouvé son épicentre actuellement. Mais je connaissais toutes les réponses de tous les autres. Oh, bien sûr. Mais si, vous êtes éliminé. Mais nous, on s'est cuire une citrouille. Voilà. Ariel, vous êtes éliminé. Pouvez-vous me dire, chère Valérie Mérès, qui est Tony Estanguet? Tony Estanguet, c'est lui qui est le héros dans Madame est servie. Ça, c'est Tony Danza. Ah, c'est pas le même. Non. Tony Estanguet, vous savez, monsieur Palmade? Parce que je vous vois faire des signes. Mais oui, je crois que j'ai entendu parler. C'est pas un sportif? Oui, c'était un sportif. C'est l'ancien champion de canoë qui est président du comité d'organisation des Jeux Olympiques qui, hélas, on le sait, viennent, pour ceux en tout cas de Tokyo, viennent d'être reportés. Ah ben je l'avais dit pour Bill de Blasio. Vous êtes éliminé, Valérie Mérès. Donc on peut passer à Jérémy Ferrari. Alors non, monsieur. Déjà. Monsieur Palmade, concentre-toi, je vais être gentil avec Jocelyne. Oui. Pauvre infirmière. Qui a chanté Alexandrie Alexandra? Alors, pouvez-vous me dire, Pierre Palmade, qui est Anaïs Dumoustier? Mon Dieu. Anaïs Dumoustier. De toute façon, Jocelyne, je vous invite à mes spectacles. Elle a vu tous les spectacles, elle s'en fout. Anaïs Dumoustier. Ah non, là, je vous ai choisi la plus facile. Ah oui, facile. Non, mais Valérie, pourquoi ne triche pas? Alors, qui est Anaïs Dumoustier? Eh ben, c'est le vrai nom de Valérie Mérès. Voilà. Ben, tu es punie, Valérie. Tu es punie, Valérie. Tu es punie, Valérie. Elle voulait vous montrer que c'était une actrice comme elle. Oui. Ah bah oui. Bah. C'est le César de la meilleure comédienne cette année, facile. Anaïs Dumoustier, celle qui a obtenu le César de la meilleure actrice. Pierre. Mais oui. Enfin. Ah.
Tu ne t'intéresses pas au César? Du mou, j'ai compris, du mostier. C'est vrai, moi aussi j'ai compris. Une pardon, Jocelyne. Alors attendez, il nous me reste qui là? Jérémy. Ah, parce que Jérémy. Ah, Jérémy. Ah ben alors, on n'a même pas de deuxième tour possible. C'est Jérémy Ferrari le gagnant et Jocelyne, c'est perdu. Oh, je suis désolé, Jocelyne. Mais c'est moi, c'est moi. Ouais, en même temps, elle avait hésité entre Franck et Pierre, et oui, Franck aussi a moi, ça aurait été une catastrophe. Il faut dire que quand même, savoir que Jérémy Ferrari allait gagner, il fallait être un grand voyant. Il fallait miser sur la jeunesse. Jocelyne, je vous envoie une montre RTL, c'est pas grave. Bah ouais, c'est pas grave. Oh là, je peux avoir un petit jeu pour avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Un jeu de société des grosses têtes. On vous envoie 3D. Et Pierre Palmade va vous offrir des places pour sa prochaine tournée. On vous embrasse, tout Jocelyne. Tout à fait. Oh, merci. Merci. Je vous emmène rue de l'Hôtel de Ville à Paris. Et c'est une question pour Olivier Boissy qui habite Gonesse dans le Val d'Oise. La rue de l'Hôtel de Ville ne s'est pas toujours appelée ainsi. Comment s'appelait-elle avant la rue de l'Hôtel de Ville et pourquoi a-t-elle changé de nom? Elle s'appelait la rue de Paris? Non. La rue de la mairie? Non. Alors, je vais vous aider parce que c'est une date qui va vous dire quelque chose, monsieur Palmade, puisqu'elle a changé de rue en 1832, là. La rue de l'Hôtel de Ville. Ah, une date, une année que. C'est rue de la peste. Ah, rue de la peste, non. Mais c'est dans ce genre-là. Rue du choléra. Rue du choléra. Alors, rue du choléra, non, mais c'est vrai, justement, qu'en 1832, bon voilà, le choléra morbus, hein, on appelait ça d'ailleurs, le choléra morbus a enlevé près de 18 500 habitants de la capitale. Ah, la rue aux rats. Pardon? Non, la rue aux rats. La rue aux rats, non. Et le quartier de l'Hôtel de Ville fut un de ceux où cette horrible maladie exerça ses plus cruels ravages, nous dit la presse de l'époque. Et c'est vrai que dans cette rue-là, il y a eu 304 habitants qui sont morts. Oh là là. La rue 304? La rue 304? La rue des mourus? La... Ah oui. Eh ben vous n'êtes pas loin. La rue des morts. Pas la rue des morts, mais vous vous rapprochez. La rue des trépassés. La rue des trépassés, non. La rue des cadavres. Mais c'est vrai que c'était un hasard, parce que c'est une des rues de Paris où il y a eu le plus de morts. 304 morts sur 4600 habitants. La rue des défunts, la rue des trépassés, la rue des survivants. Non. La rue du cimetière, non. La rue mortuaire. Non. Alors mortuaire, non, mais on se rapproche. La rue du caveau. La rue mortifère, non. La rue du caveau, non. La rue funèbre. La rue funèbre, non. Vous étiez tout près avec rue mortifère. Démortifiés. Non plus. Mortuaire. Non, c'était en fait un hasard parce que ça faisait penser à la mort, mais ça n'avait rien à voir. Avec la mort. Alors la rue des morts, tout court, M-A-U-R-E-S. Non. La rue de la morsure. La morsure, non. À l'époque, c'était un métier, en fait. Morresque. Les croque-morts. La rue des croque-morts. Les croque-morts, non. La rue des... À l'époque, c'était un métier. Ça n'est plus un métier. Alors, aujourd'hui, ce sont des métiers d'artisanat. Il y a le mot mort dans le métier, en d'artisanat. Fait, hein, alors, c'était des fabricants d'eau. De mortier. Alors... Des pompes funèbres. Alors là, on est tout près, Ariel Dombal. Alors, des mortiers, oui. Alors, pas des mortiers, mais c'est le, on va dire, le substantif dérivé de mortier, car il s'agissait effectivement de ce qu'on fabriquait, les mortiers. Mais qui fabriquait les mortiers? C'est pas la rue des... Pas la rue des mortifiés. Des moribonds. Des mortières. On est tout près, Valérie Mérès. La rue des marteaux-piqueurs. Non, c'était la rue de la mortellerie. La rue de la mortellerie. Encore une bonne réponse. Ah non, je l'ai dit aussi, mortellerie. Eh oui, c'est la rue de la mortellerie où il y a eu le plus de... Voilà, c'est incroyable. De défunts du choléra cette année-là. Alors, ils ont changé parce que quand même, c'est vrai que ça donnait une image un peu spéciale de la rue, la mortellerie. Alors que ça n'avait rien à voir le nom avec la mort au départ, mais évidemment, à l'arrivée, c'était pas très joyeux. Alors, on a appelé ça la rue de l'Hôtel de Ville. Je vais maintenant vous demander de retrouver le nom, tout simplement, d'un autre mathématicien. Tout à l'heure, Franck Ferrand a brillé en retrouvant le nom de... Est-ce que vous avez retenu? Évariste Galois, monsieur Bravo. Ruquier. Évariste Galois, ce jeune mathématicien mort à l'âge de 20 ans. Vous savez pourquoi il est mort? Il est mort d'une belle dans la peau. Il est mort lors d'un duel, comme on l'a rappelé si vous avez écouté le début des grosses têtes. Là, mon mathématicien en question, autant vous dire, il est au Panthéon,
lui aussi, un peu comme le peintre Vien dont on a parlé tout à l'heure. Et il était né en Italie. Il était né, voilà pourquoi je vous en parle, à Turin. Mais il a pris la nationalité française en 1802. Il est mort à 77 ans. Comment s'appelait ce célèbre mathématicien, mécanicien et astronome sarde naturalisé français ? Monsieur Va. Gassendi. Gassendi, non. Fermat. Pourquoi Monsieur Va ? Parce que va et vient qui sont au Panthéon. Viens. C'est bien, Valérie. C'est bien tenté. C'est très bon. Mais ça me fait rire. Mais c'est l'essentiel. Voilà. Alors, comment il s'appelle ce beau garçon ? Il s'appelle... Est-ce qu'il a un nom italien ? Alors, il n'a pas un nom italien, il a un nom français. Ah bon, c'est pas Psychiari. Même s'il est né, c'est vrai. C'est pas Fermat. Hein. Alors, il faut dire qu'il a francisé son nom, hein, parce qu'il s'appelait au départ Giuseppe Luigi. Et je ne vais pas vous donner son nom italien, parce que ça vous donnerait évidemment trop facilement son nom français. Jean-Louis. Il est inhumé au... Alors effectivement, c'est Joseph Louis en français. Est-ce que son nom justement est très connu dû à ce qu'il a découvert ? Ah bah il est très connu parce qu'il est inhumé au Panthéon. Son nom est inscrit sur la Tour Eiffel. Ah oui. Il a une rue sur quand même. Sur la Tour Eiffel. Oui. Est-ce qu'il a une station de métro ? Non, il n'a pas de station de métro. Il a fait un théorème qui s'appelle de son nom. Oui. Il a une rue dans le 5e arrondissement de Paris. C'est pas Monge. Ce n'est pas Monge. Et il a une rue aussi à Turin puisqu'il est né là-bas, c'est normal. Est-ce qu'il y a un théorème de lui ? Alors, théorème, je n'irai pas jusque-là, mais il a fait une découverte qui porte son nom ? Une découverte qui porte son nom, non. Comme non. Pythagore, vous avez... Lagrange ? Ah, pardon ? Lagrange. Excellente réponse d'Antoine Duléry. C'est Joseph Louis Lagrange. Alors là, bravo. Moi, je m'étonne moi-même. Ah oui. Bravo. Je m'étonne moi-même. Voilà. Et est-ce que tu pourrais imiter Joseph Louis Lagrange ? Giuseppe Luigi Lagrangia, dit Lagrange. Excellente réponse. Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. Bonjour invité mystère, vous êtes chez vous au téléphone, tranquille. Bonjour, tranquille. Confiné, évidemment. Oh là, confiné, oui. Alors, invité mystère, est-ce que vous êtes une femme du Sud ? Pas du tout. Vous êtes une femme ? Pas du tout. Ah, c'est ça. Donc, vous êtes un homme. Ah, vous êtes un homme. Il paraît. Il paraît. Est-ce que vous avez plusieurs activités artistiques ? Oui. Extraordinaire. Moi-même, je me demande si c'est bien l'invité qu'on avait prévu, tellement je ne reconnais pas sa voix. Ah, bon. Ah d'accord, parce que moi j'ai une idée à cause de la voix. Mais c'est vrai ? Ah bah oui, là, non. Du coup. Non. Pourquoi j'ai une voix de femme ? Ah, vous avez une voix incroyable, déformée telle qu'elle est. Ah, je suis une jolie femme alors. Valérie Mérès pense que vous êtes Élie Semoun, vous n'êtes pas du tout Élie Semoun. Vous avez écrit vos mémoires ? Ça serait sa voix normale, là, du coup. Ben, c'est pour ça. Vous avez l'air joyeux. Vous avez écrit vos mémoires, invité mystère. Pardon, excusez-moi. J'ai pas entendu. Vos mémoires, non, il n'a pas écrit ses mémoires. Non, Pierre, non. Vous avez l'air joyeux. Est-ce qu'on vous connaît à travers le rire ? Ouais, plutôt, ouais. Ah, invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous ? Oh là oui. Oh là oui. Ah. Et est-ce que vous aimez le rire et sourire ? Ça tombe bien, parce qu'écoutez ce premier indice. Souriez, bonne chance, souriez narquoisement, car François le médecin, à la barbe pointue, n'est hélas qu'un enfant qu'on n'a pas aperçu. N'est hélas qu'un enfant qu'on n'a pas aperçu. Souriez, bonne chance. C'est pas seulement la chanson, c'est aussi le nom de l'interprète, mais ça... Le nom... Vous avez trouvé un mec jeune, hein. Mais c'est vrai que le nom de l'interprète, c'est le prénom de notre invité mystère. Voilà pourquoi ça pourrait vous aider. Est-ce que vous êtes connu depuis longtemps ? Oula ! Plus de 5 ans ? Disons que je travaille depuis longtemps. Je ne sais pas, mais je travaille depuis longtemps. Oui. Pierre Palmade pense à Laurent Deutsch. Vous n'êtes pas Laurent Deutsch. Voici un deuxième indice. Mon âne a bien mal à la tête. Madame lui fit faire un bonnet pour sa fête. Un bonnet pour sa fête. Et des souliers lila, la, la, et des souliers lila. Mon âne, une chanson pour enfants. Ariel Dombal propose Raymond Devos. Alors, écoutez, ça aurait été... Oui. Si revient Raymond Devos, on est content. Tante Michel Galabru. Eh oui. On va appeler Michel aussi. Franck Ferrand propose Guy Carlier. Est-ce que vous seriez Guy Carlier? Non, faites chercher moi. Voici un autre indice. Rien n'effraie la sous-prière, le bon qui ne veut plus nous prêter.
Ça s'appelle Carmen et la crise. Ça vous dit quelque chose, invité mystère? Alors, rien du tout. J'expliquerai les indices après. Ah, oui, Jérémy Ferrari propose Gérard Darmon. Vous n'êtes pas Gérard Darmon? Pas du tout. Pas du tout. Mes invités, mes grosses têtes sont loin pour l'instant. Valérie Mérès propose François Morel. Hélas, non. Hélas, non. Bah, pourquoi hélas, Non, parce que j'adore François Morel. Eh bien, vous avez tort. C'est un fumier. Voici encore un indice. Ah voilà un indice qui doit vous faire plaisir. Non, non, ça va, oui, oui, d'accord. Mais d'où est-ce que vous avez déniché? C'est les Charlots qui chantent le gros Bouddha. Est-ce que vous êtes beaucoup sur scène? Bah, en ce moment, non, mais oui, sinon oui. Sinon, ah oui, invité mystère, est-ce qu'il vous arrive, comme Pierre Palmade, d'écrire pour les autres, puisque le stylo est important? De temps en temps. Valérie Mérès pense à Artus. Est-ce que vous êtes Artus? Non. Voici un autre indice. C'est Chantal Goya qui chante. Vous la connaissez bien, Chantal Goya, invité mystère? Oh, bah oui, depuis très longtemps. Ah, bah d'accord. Mais ce n'est pas Jean-Jacques Debout. Parce que... Je vous vois vous précipiter tous. Ah, bah oui, moi j'ai mis Debout tout de suite. Ah, bah oui, mais non, en ce moment on a beaucoup de mal à joindre les Debout, comme je vous dis. Ce n'est pas non plus Marc Jolivet, comme proposé par Jérémy Ferrari, mais ce n'était pas si bête. Bah c'est Guignol. Voici encore un indice. Les va te faire foutre, les sales cons et les fêchiers, les couillons comme les enfoirés, vieux salauds, gros empaffés, tous ces mots on sait les lancer, les gros mots de tous les jours font partie de l'existence et remplacent nos mots d'amour, les putains. Ariel Dombal vous a enfin reconnu, invité oui mystère. Mais je vous adore. Grâce à Jérémy Ferrari aussi peut-être, qui lui aussi vous a identifié. Pierre Palmade aussi déjà. Oh, que je suis flattée. Trois grosses têtes savent déjà qui vous êtes, grâce à Thierry Leluron. Oui. Valérie Mérès proposait Jean-Jacques Goldman. C'est vrai qu'il... On vous voit aux grosses têtes souvent. Maintenant qu'il est ressorti de son confinement, pourquoi pas. J'ai un dernier, tout dernier indice. Le 10 mai, il y a 3 ans, fut un jour extraordinaire, a bien marqué d'une pierre. Ouais, vraiment, vraiment, l'Élysée est pris pour 7 ans. Un drôle de locataire, un socialiste exemplaire, Mitterrand, l'emmerdant. Tout le monde se souvient évidemment de cette parodie. Et toutes les grosses têtes vous ont maintenant reconnu, à part Antoine Duléry qui cherche encore. Ouais, je cherche encore. Est-ce qu'on a travaillé ensemble, invité mystère? Non, on se connaît. Hein. Mais tous les autres savent que notre invité mystère, c'est... Bernard Mabie, évidemment, qu'on retrouve dans un instant. Bonjour Bernard, Bernard Mabie était bien notre invité mystère. Salut Bernard. Bonjour. Je t'ai tout de suite reconnu Bernard. On est prudent, hein. On laisse nos plus vieilles grosses têtes à la maison. Tout va bien, rassurez-nous Bernard. Tout va bien, franchement, quand même, la santé, d'abord. Ouais, la santé, oui. Bah, je suis confiné depuis maintenant 10 jours. Hein. Eh ben, mais oui. T'es où? Bah, je suis à Paris, j'ai pas voulu fuir comme tous les bobos dans ma maison de campagne, je suis à Paris. Mais bravo. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous êtes prudent. Non, il a juste pas de maison de campagne. Hein. Bon, ça va, t'as pas trop faim? Non, j'ai un voisin très charmant qui me
qui m'apporte à manger et tout. Non, tout va bien, vraiment. Il peut venir m'apporter à manger. Est-ce que tu as le temps d'aller chez Picard avec Ariel Dombal? Ariel, en tout cas, pour patienter, pour lire pendant ce confinement, je vous souhaite de trouver en librairie, mais encore faut-il qu'une librairie soit ouverte. Oui, c'est fermé, les librairies. Ou de le commander. Peut-être on pourra vous livrer Les secrets du chef Bernard Mabille, qui sont parus chez Michel Lafon. Le tailleur de costard revient vous régaler. Et si Ariel Dombal vous a identifié, c'est grâce au gros Bouddha, a-t-elle dit. Je l'ai entendu. J'adore Ariel. Je vous adore tous. C'est gentil, Bernard. Vous me manquez. Mais toi aussi, tu nous manques, Bernard. Mais c'est vrai, Bernard, qu'on vous charrie un peu sur votre poids de temps en temps. Ouais, c'est pas grave. Mais vous-même, dites, vous n'y allez pas de main morte hein, dans votre livre. Là. Je me suis dit, bon, bah, alors moi, je peux continuer si lui, il fait ça aussi. Parce que vous avez écrit, je lis par exemple page 18 de votre livre, quand j'ai vu Jacqueline Gourault descendre les marches de l'Elysée, j'ai cru que Laurence Boccolini avait été nommé ministre. Bah oui, vous trouvez ça qu'elle lui ressemble un peu. Vous êtes fier de ça, Bernard? Pas du tout. Mais c'est le fonds de commerce. Et c'est vrai aussi que vous avez créé un réseau de chambres à des fins libertines qui s'appelle Airbnb. On sort des bêtises. Bah oui, mais alors là, je prends des notes. Là, en ce moment, je prends quand même pas mal de notes. Et puis, je m'inquiète pour tous les gens que j'aime. Quoi. Ben, c'est normal. On parlait de Le Luron. Tu te souviens, parce que j'ai ton livre, puisqu'on parle de poids, pardonne-moi de parler de ça, que Le Luron t'appelait Maboule. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne m'a jamais gêné. Hein. Je sais. Dans votre livre, vous prenez la défense de Yann Moix, aussi à l'époque où il avait fait cette déclaration un peu hasardeuse sur les femmes de plus de 50 ans. Vous dites, moi aussi, je préfère les jeunes filles. Prenez les Bretonnes, par exemple. Il n'y a quand même pas photo entre Nolwenn Leroy et les sorties piaques. De toute façon, à mon âge, je n'ai plus le choix. Pour vivre avec une cougar, il faudrait que j'aille au Père Lachaise et que je pioche. C'est un peu vrai, Laurent, c'est un peu vrai. C'est affreux, quand même. Ben, vous savez bien que pour essayer de faire rire les gens, il faut d'abord se moquer de soi-même, quoi. Mais justement, on sent un peu de tristesse au fond de vous, parce qu'à un moment donné, dans votre livre, vous dites « Jamais une femme ne m'a dit que je ressemblais à Brad Pitt ». Ben oui, c'est vrai. En même temps, c'est pas faux. Vous auriez aimé. Pour Angelina Jolie, oui. Ah ben évidemment, je comprends. Ah ouais. Bon, il est plus avec, je te rassure. Hein. Oui, je sais, je suis au courant. Ça n'a pas que des avantages d'être très beau, vous savez, croyez-moi. Hein. Bernard, alors oui. vous allez pouvoir reprendre la scène après tout ça, parce qu'en plus il y avait un nouveau spectacle qui s'appelait Fini de jouer. Oui, normalement j'étais au Casino de Paris, mais. C'était bon, visionnaire, voilà. Hein. Ah, ben parce qu'appeler son spectacle Fini de jouer. Incroyable. C'est votre côté, Madame Soleil, Bernard. Voilà. Bon, est-ce que vous. Non, mais vous vous ennuyez pas trop, quand même, Bernard? Pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Parce que je lis beaucoup, et puis alors. On a le temps de prendre les gens au téléphone. Et oui, c'est vrai. Je m'aperçois que des gens avec lesquels je parlais seulement 5 minutes en disant on est pressé, maintenant on parle 1 heure. Alors vous avez raison, mais moi je déteste parler au téléphone, c'est un truc. Ben, je sais bien. Je déteste ça. Ouais. Et alors c'est un problème justement en ces temps de confinement, parce que quand quelqu'un vous appelle, mon ami, et ça m'empêche pas de l'adorer, Pierre Cochin m'a appelé l'autre jour, ça durait 5, 6, 7 minutes, puis au bout d'un moment, je dis mais comment je vais faire? Je peux pas lui dire, j'ai autre chose à faire. Parce que c'est pas vrai. J'ai eu 30 secondes hier. Mais c'est vrai, on est emmerdé. On peut pas trouver un prétexte. On peut pas dire, faut que j'aille. Je suis obligé de te laisser parce que je passe sous un tunnel, c'est plus possible. C'est un vrai problème. Hein. Allô, j'ai enlevé la phrase. Allô. Non, c'est sympa. Allô. Non, mais moi, Bernard, on t'entend plus, Bernard. Bernard, je ne t'entends plus. Là, ah bah oui, ça tombe bien. D'ailleurs. Je ne t'entends plus. Bernard. Il est bientôt 18h. On va passer sous un tunnel. Il y a même plus. Tunnel de pub d'ailleurs sur RTL. On vous embrasse, Bernard Mabille. À très vite. Et à demain, 15h30, pour d'autres grosses têtes. À tous héros, malgré je voulais leur dire merci. RTL et tous ses auditeurs remercient tous les soignants et le personnel mobilisé. Ici, aujourd'hui, il y a des gens absolument admirables.
sont nos héros, oui, ce sont le personnel de santé, la police, l'armée, les pompiers. Bravo, hein, bravo pour tout ce que vous faites. Je tenais à saluer, ben, comme des millions de Français, je pense, toutes nos blouses blanches qui prennent soin de nous et du corps médical en général. On vous souhaite énormément de courage. RTL, toujours avec vous.